Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube et également ma page Facebook, bien vouloir m'excuser pour le retard, j'en aurai encore parce que là je viens d'arriver et je suis avec plein de gens là que je vais d'abord installer et m'excuser, obligation professionnelle également parce que j'ai une émission juste après celle-ci. Eh bien, veuillez m'excuser, je m'occupe juste un tout petit peu de ceux-là qui sont aussi venus faire un reportage sur moi. Allez, prenez patience. Vous pouvez venir ici. Hein? Voilà. Vous avez installé, vous pouvez. Non, vous pouvez installer là.
Rebonsoir donc à tous ceux qui ont patienté. Et merci pour cet honneur que vous me faites toujours d'être là avec vos médias, surtout pour ceux qui sont en Afrique, et je vous comprends, qui, ma foi, demandent même que je fasse des directs de 5, de 10, de 15 minutes, peut-être même quand je ferai une minute, ils trouveront que c'est toujours un peu trop. Mais bon, c'est aussi ça. On ne fait rien sans casser, sans faire des sacrifices, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ceci étant donc, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue pour ceux qui sont connectés sur la page Reming on a Fan, Reming on a les plus beaux proverbes africains. Les autres instruments, les réseaux où vous me trouvez souvent, malheureusement, tous ne peuvent pas être connectés aujourd'hui, juste parce qu'il y avait beaucoup de bouchons et parce que j'ai une équipe de télévision qui me suit, qui suit mon parcours et qui va encore faire un autre film comme j'en avais déjà tourné. Ceci étant, l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir, mode précipité, on va essayer de partir, même si vous allez constater que certaines choses ne sont pas très bien articulées. Allez, on ouvre les rideaux. N'oubliez pas que le plus grand homme n'est qu'un animal déguisé en Dieu, disait Francis Picabia dans ses écrits à titre posthume publiés en 1975. Les grands hommes sont ceux qui marquent leur époque, mais qui parfois ne connaissent pas prendre la sortie et deviennent donc des petits hommes. Et ces grands hommes, on les trouve beaucoup en Afrique centrale, qui ne réussissent pas leur sortie, ou alors qui partent par la fenêtre de souris. Ainsi, on devrait toujours les célébrer parce qu'on les croit immortels, parce qu'on les prend comme des dieux, mais avec la maladie, avec l'âge et avec les années qui s'entassent, le pouvoir lui-même aussi s'effrite, les jambes commencent à peser et ceux qui sont autour de soi peuvent aussi immédiatement se faire des idées qui peuvent récupérer le fauteuil. Paul Biya, pour son 91e anniversaire, pas de bruit. Pourtant, on était souvent habitué à ces gâteaux et surtout avec cette euphorie au palais, avec les fils, petits-fils, amis de Chantal au milieu des youdou. Mais pour lui, ce qui n'est pas souvent d'habitude, juste une photo postée sur les réseaux sociaux où on le tient tel un bananier qui est en train de vouloir s'écrouler, qui est en train de se faire appuyer ou de s'appuyer sur un autre tronc d'arbre qui lui-même risque de se renverser. Un anniversaire de Paul Biya, qu'on pourrait dire, peut-être sans beaucoup d'euphorie, ou plutôt sans beaucoup d'amis, à huis clos. De l'autre côté également, il faut savoir que puisque le mois de février semble être destiné à ceux qui doivent diriger ou alors à ceux qui doivent devenir président, Ali Bongo, lui aussi est né en février et plus exactement le 9 février. 9 février 1959, généralement, ses anniversaires sont fêtés tambour battant. Et c'est tout le Gabon qui joue au tam-tam, disant bravo, monsieur le président, et continue à nous guider ad vitam aeternam, puisque tu es notre seule lumière, et sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Lors de ses 64 ans, eh bien, Ali Bongo avait d'ailleurs fait une adresse à la nation gabonaise en écrivant sur des réseaux sociaux. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble.
Ali Bongo croyait que ce chemin, c'était après 2024, 23, 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'en 2035, comme Paul Biya qui nous promet l'émergence. Ali Bongo était sûr de lui et voyait bien sûr le paradis s'offrir à lui. Et il voyait comment est-ce qu'il marchait sur le tapis rouge avec des roses et surtout des youyou avec un peuple qui ressemblait au béni Louis, lui disant « Vas-y, monsieur le président !» Mais le voilà tout simplement. Un an après, le peuple gabonais qui faisait les youyou, qui acclamait Ali Bongo, ne se souvient même plus de son anniversaire, ne se souvient même plus qu'il a un an de plus. Et il n'y a plus tout cela qui faisait le tam-tam, tout cela qui était les partisans, les courtisans, et qui était dans le parti, le PDG, qui disait PDG Oye, après le PDG, ce sera le PDG, après Bongo, ce sera Bongo. Tout s'est écroulé. Ce 30 août 2023, pendant qu'il était dans son sommeil et pendant qu'il était convaincu qu'il est gardé par son armée pour massacrer les populations et pour encore imposer Ali Bongo, qui devait passer la passe décisive à Nourdine Bongo, qui devait aussi passer une autre passe à un autre Bongo. Ainsi, les Bongo devaient tout simplement nous conduire devait conduire le Gabon jusqu'à la fin du monde. Mais, il était écrit. Tout y a une fin, tout a une fin, tout finit par finir. Bongo est fini. Et son anniversaire, comme l'anniversaire de Paul Biya, est passé sans bruit. Personne n'en a parlé. Ali Bongo était chez lui, oublié par ses propres partisans. Ou même, ses propres partisans ont déjà tourné le dos à Ali Bongo. De telle sorte que Jean-François Bunga, qui actuellement est président de l'Assemblée nationale, qui buvait du champagne avec Ali Bongo, qui buvait du pétrus avec Ali Bongo. Et déjà celui-là qui dit, en fait, je ne suis pas contre qu'on juge Ali Bongo pour ses 14 ans passés au pouvoir. Il doit rendre compte. Oh là là! Voilà donc comment font les courtisans. Aujourd'hui, ils vous disent que vous êtes grand. Demain, ils vous traitent de roi fainéant. Il vous attribue tous les crimes de sang. Il vous accuse de tous les détournements d'argent. Et c'est vous qui devez répondre avec votre famille. Ali Bongo, d'ailleurs, a-t-il même encore une famille? Puisque sa famille est justement dans une maison qu'on appelle sa famille, la prison. Il ne voit plus son épouse, qui elle aussi faisait du bruit. Comme Chantal Biya, elle aussi avec cette belle couleur. La couleur de valeur, comme on croit en Afrique, était idolâtrée, la première dame. Elle commandait tout le monde au palais. Tout le monde léchait ses bottes, que dis-je, ses talons. Aujourd'hui, elle a 100 familles et elle n'a même pas eu le temps. Ou plutôt, elle a même oublié que son ami, son mari président, qu'elle a tant renié immédiatement dès qu'elle a été prise, qu'il fêtait ses 65 ans. C'est terminé. Et leur enfant, Nourdine, lui-même aujourd'hui, est devenu comme une petite souris dans sa cellule, où il est incapable de sortir, ne serait-ce que pour affronter
Le regard de ceux-là qu'il matait, de ceux qu'il méprisait, lorsqu'il passait avec ses gardes, ses grosses voitures, lorsqu'il dilapidait des milliards, lorsqu'il était avec toute cette ribambelle de copains qui se voyaient des hommes bien de là-bas. Nouredine, aujourd'hui, est en pleurs. En pleurs parce que la cellule qu'il occupe, selon les défenseurs des droits de l'homme qui ont eu accès, disent qu'il a été placé à l'isoloir. Pas de contact avec les autres. Et cet isoloir, ce n'est pas comme celui du palais où ils étaient. C'était leur isoloir à eux. Parce que là-bas, il y avait la clim, là-bas, il y avait le caviar, là-bas, il y avait la bonne vie et les belles femmes qu'on pouvait commander. Il y avait des influenceuses, il y avait tout. Et surtout, il y avait des jets privés qui venaient de Paris, qui venaient de Londres, qui venaient de partout au monde. Et ils pouvaient faire le tour du monde. Aujourd'hui, Nouredine tourne dans une superficie de 3 mètres carrés ou alors moins. Nouredine Bongo supplie maintenant qu'il voudrait ne serait-ce qu'un matelas qui puisse faire qu'il n'ait pas mal au dos. Nouredine Bongo supplie qu'il voudrait les toilettes parce que les toilettes qu'il a là, ce sont des toilettes rudimentaires qui puent. Et il dit que pour se courber, eh bien, son dos est presque cassé. Et on lui dit, c'est malheureusement comme ça que vous avez entretenu les prisonniers des droits communs, les politiciens, les journalistes, les activistes. Ils ont vécu dans les mêmes conditions. Il faut donc supporter. Nouredine Bongo n'a même pas de visite, même plus la visite de sa mère. Puisqu'il n'a que, il ne reçoit que quelques oboles ou alors quelques tupperwares, de la nourriture un peu emballée qu'on vient lui remettre. Au-delà de ça, on vient, on vide le WC archaïque, rudimentaire du Moyen-Âge là, quand c'est déjà trop plein. Au revoir. Quand on est au palais, imagine-t-on la vie d'après? Pas certainement. C'est pour ça que beaucoup veulent mourir au pouvoir, oubliant que même après eux, leurs familles vont payer. Oubliant que tout peut arriver. Et même un coup d'État, comme Paul Biya redoute aujourd'hui. Fragilisé par les problèmes de santé, presque abandonné par son épouse. Paul Biya est presque invisible au palais. Dans sa tête, ça commence à trotter. Est-ce qu'il finira comme Ali Bongo? L'anniversaire d'Ali Bongo. Même pas un seul qui soit venu lui dire joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, même son avocat français n'a pas eu accès à lui, puisqu'il est arrivé en janvier et dit-il, on lui a dit, tu n'entres plus dans la Sablière, à la Sablière, la résidence d'Ali Bongo. Tout est contrôlé. Et pourtant, Oligui Nguema, qui lui a fait le coup d'État, lui avait demandé de s'en aller. Oligui Nguema lui avait demandé de profiter pour aller se soigner. Mais elle était convaincue qu'il était aimé et que les Gabonais allaient descendre dans la rue pour demander son retour. Ali Bongo comprend tout simplement que tous ces courtisans, c'était juste par peur et parce qu'il voulait un peu manger. Mais qu'après, ils avaient compris qu'Ali Bongo ne voulait pas du bien
de leur pays. Ali Bongo, selon son avocat, n'est même pas en résidence surveillée. Il est déjà en prison et n'a presque plus rien. Tout est contrôlé. Il n'a même pas accès à son téléphone. Il n'a pas accès à ses cartes de crédit. Il n'a pas accès à ses comptes bancaires. Il n'a accès à rien du tout. Lui qui décidait de la vie de tout un chacun et de la mort de tout un chacun. Ali Bongo, pour ses 65 ans, un anniversaire douloureux, un anniversaire où il recommence maintenant à regarder son passé, ce passé d'enfant gâté, lui qui fut député vers les années 1990, ah oui, parce qu'il fallait le plébisciter, l'enfant du roi, lui qui était d'ailleurs ministre de la Défense pendant 10 ans, avant d'être nommé président de la République. Lui qui n'a été habitué qu'à la bonne vie. Lui qui ne savait pas qu'il allait sortir de là. Comme Paul Biya, qui aujourd'hui a tout dit. Et à qui Chantal dit, il faut continuer à rester au pouvoir parce que sans cela, moi je vais partir me chercher ailleurs. Moi je vais te laisser là. Paul Biya aujourd'hui, son anniversaire montre que c'est une demi-mort. Son anniversaire montre qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a plus de dirigeants. Parce que Paul Biya, avant, chaque fois, c'était des sirènes. Chaque fois, c'était le parti qui disait « Oui, on avance encore !» et tout et tout. Chaque fois, Chantal Biya organisait le Super Bowl avec des invités. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper. Rien n'est éternel. Et comme tel, on attend donc qu'il va remplacer Paul Biya. Puisque c'est le débat aujourd'hui. Mais quand on voit, ça viendra d'où? Dans le clan Biya, tout est balkanisé de ce côté-là, avec la lutte des clans qui fait des ravages. Du côté de l'opposition également, eh bien, on entend encore des sons beaucoup plus divergents même, puisque l'opposition camerounaise ne profite jamais des situations de la faiblesse du régime pour marcher unis. Bien au contraire, l'opposition souvent accrochée aux mamelles nourricières du parti au pouvoir n'est là souvent que pour tacler celui qui peut oser, celui qui peut avancer, celui qui peut faire l'unanimité, celui qui peut assembler, celui qui peut affronter justement un régime ou alors un parti qui est aussi vieux que le PDG d'Ali Bongo, le RDPC. Qui pour affronter le RDPC? C'est ainsi donc que, ayant anticipé, avant même 2025, eh bien, Jean-Michel Nitieu a trouvé qu'il fallait faire une coalition autour de Maurice Kamto. Mais à peine l'idée annoncée, on a donc vu justement les uns se dresser contre les autres, comme on les appelle, les opposants de l'opposition, les opposants contre les opposants qui ne veulent pas de coalition, les opposants qui ne veulent pas qu'on avance, justement, en fusion, en union. Et d'ailleurs, cela permet à Paul Biya, sous sa perfusion, de respirer, de rigoler, puisqu'il sait très bien que l'adversaire, ce n'est pas dans l'opposition. L'adversaire peut venir dans son propre camp. Or, tant que le vieux lion a encore quelques rares dents, furent-elles artificielles, lui peut encore croquer. Mais entre-temps, le gibier, les gibiers de l'opposition
se font la bagarre, se lancent dans la déstabilisation, et même ceux-là qui, avec quand même une certaine probité morale, sont entrés dans la danse. Et pour ouvrir le bal, on a donc vu une femme qui, à l'époque, était idolâtrée par ses positions de vue. Une femme qui aussi était du côté de la presse, des journalistes, qui malheureusement aujourd'hui met un pied à gauche, met un pied à droite et boum, tacle par derrière sur Maurice Kamto. Le match est donc lancé. Opposition contre l'opposition pour 2025 avec à l'attaque Henriette. Écoute. Chacun d'entre vous a suivi le passage dans une chaîne de télé Info TV de 20 de Henriette Ekwe. Info TV n'est pas très écouté, sauf que la sortie d'Henriette Ekwe a été relayée sur plusieurs réseaux. Et du coup, l'information est revenue à la une et fait l'actualité pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier, puisque les politiciens des autres pays qui ont souvent dit que rien ne bougera au Cameroun commencent à rigoler. Mais c'est quoi le problème de l'opposition camerounaise? Pourquoi l'opposition ne parvient pas à s'entendre? Pourquoi l'opposition, les opposants s'entretuent? Les déclarations d'Henriette Ekwe étaient justement dans l'optique de discréditer Maurice Kamto dans la mesure où, dans son intervention, qui ne dure pas beaucoup de minutes, eh bien, elle fait allusion non seulement au code électoral, mais aussi au passage de Maurice Kamto au gouvernement. Le passage de Maurice Kamto au gouvernement qui finalement, à ses dires, à sa démonstration, n'était que une conspiration contre le peuple camerounais dans la mesure où Maurice Kamto se serait rangé du côté du régime, du côté de ceux qui voulaient conserver le pouvoir, du côté de ceux qui ont façonné le code électoral que l'opposition combat aujourd'hui, que l'opposition fustige maintenant, que Maurice Kamto critique maintenant. Henriette Ekwe a donc démontré devant des journalistes qui malheureusement n'étaient pas assez aguerris, parce que le journaliste devrait quand même avoir lui-même des fiches, maîtriser le sujet, à défaut dans le background, comme ici, lorsque le journaliste est sur le plateau, il y a d'autres qui vérifient les informations derrière. Ça fait que la personne interviewée, dès qu'elle balance une ânerie, une contre-vérité, immédiatement on va souffler dans l'oreille du journaliste que ce qu'il vient de dire là ou ce qu'elle vient de dire là n'est pas vrai. Voici les chiffres. Mais malheureusement au Cameroun, il n'y a pas ça. On arrive, on peut même dire que le premier pape était camerounais. Alors le journaliste ne va pas réagir. Tout comme Paul Biya nous a appris que le Cameroun était un continent. Tout le monde a applaudi pour cette contre-vérité. On peut vous dire, sans l'ombre d'un doute, que tel est mort. On peut vous dire que Rémi Ngono a été assassiné ou bien a été opéré des fesses. On peut vous dire dans une chaîne de télé que Rémi Ngono c'est super pété et tout. Il n'y a rien. Mais personne ne va contredire. Et d'ailleurs, c'est toujours sur une chaîne de télé, toujours pour déstabiliser Maurice Kamto, à la veille de l'élection de 2018, que le professeur Sanga Nyamdi
s'était donc autorisé à affirmer que Maurice Kamto avait totalement détruit le derrière d'un garçon de 14 ans. Ni le nom de ce garçon, ni sa famille, le journaliste qui était devant lui ne lui a demandé, mais c'est où, ça s'est passé, où, comment, rien. Et il a regardé. Il a avalé cela comme des paroles bibliques. Et c'est ce qui s'est justement aussi passé, qui a provoqué la sortie des communicants du MRC pour essayer de redresser la barre. Mais le mal est déjà fait. Puisque combien de personnes vont écouter justement la réplique de Maurice Kamto ou du MRC, dans la mesure où, justement, dans sa démonstration, Henriette Ekwe va tout simplement se borner à dire que Maurice Kamto était ministre délégué à la justice et qu'avec Amadou Ali, ils ont bel et bien défendu le projet de violation, de modification de la Constitution. Or, nous savons que cela a entraîné des morts. L'emprisonnement de Lapino de Manga, y compris même son empoisonnement. Donner une telle information, affirmation, sans baisser rire, avec tout le sérieux qu'on connaît à cette dame, c'est donc déjà démontré que Maurice Kamto n'est qu'un infiltré dans l'opposition. Puisque c'est lui qui avait fait que Paul Biya modifie la Constitution. C'est lui qui est parti défendre cela à l'Assemblée nationale. Sauf que on n'a pas pu dire à Henriette Ekwe que c'était dans quelle Assemblée nationale? Où sont les images? C'était quel jour? Et on a d'ailleurs pris comme témoin Jean-Jacques Ekindi. Ah oui, c'est lui qui voulait chasser le lion, Paul Biya, complice du RDPC. Et qui pourtant n'avait rien à voir et n'était pas témoin de ce que Henriette Ekwe était en train de relater. Comment expliquer donc que non seulement Maurice Kamto, qu'on avait déjà accusé même d'avoir pris 14 milliards pour la modification de cette constitution. Mais que le gouvernement lui-même n'a jamais démontré que Maurice Kamto a pris 14 milliards. Je dis bien 14 milliards. Et que ce soit sur un plateau encore, qu'on vienne dire que c'est lui qui a bidouillé cette modification de la constitution que Biya avait déjà annoncé lui-même personnellement lors des vœux du 31 décembre 2007. On a vu les motions de soutien du RDPC. Et puis, quelqu'un qui vient souvent avec la Bible, il utilise ça. Il dit, on signe tel, tel, tel. Et personne ne regarde, hein? Il lit ça dans son téléphone. Il a la Bible en main. La Bible en main. Le plus grand menteur du Cameroun. Le plus grand tribaliste du Cameroun. Mais qui utilise toujours la Bible. Elimbi Lomé. Je vais vous dire, se sont réunis tel, tel, tel. Ont signé tel, 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 tel. C'est dans son téléphone. Il ne tire pas pour présenter. Non. Et c'est terminé. Tout le monde applaudit. Elimbi Lomé. Il reviendra prochainement avec son téléphone et la Bible. Dès qu'il fouille la Bible comme ça, toc, 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 il va même vous dire Évangile selon Saint Jean. Après, il va dire que Évangile selon Saint Paul, chapitre 8, verset 4. Il dit, je lis. En la personne de Judas, quand il s'était enfui à Baham, on l'a retrouvé dans la maison de Maurice Kamto, caché sous le lit. Dans cet évangile, il est donc dit que Maurice Kamto est complice de la mort de Jésus. On va vous dire. On va vous dire que Elimbi Lobé a dit que Maurice Kamto a dû à mettre Judas sous son lit, Abraham. On ne va même pas lui poser la question que, mais
À cette époque-là, Maurice Kamto vivait déjà. Non! L'essentiel, c'est qu'on va balancer. Tout comme on a balancé cette information qu'en 2012, c'est Maurice Kamto qui valide ce code électoral qui fait aujourd'hui que l'avantage ne revient qu'au RDPC. Mais Henri Tekuela a affirmé, le journaliste était bel et bien là, il aurait pu comprendre que mais en 2012, quand on valide donc justement cette histoire de code électoral tronqué, Manikanya, mais Maurice Kamto avait déjà démissionné. Maurice Kamto a démissionné du gouvernement en 2011. Comment est-ce possible que le même Maurice Kamto, revienne dans le gouvernement pour imposer un code électoral qui devrait justement le desservir, puisqu'il est déjà opposant? Non. Tout cela est parti. Compte tenu du fait que je n'ai pas positionné un certain nombre de choses, on va quand même essayer de regarder. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'opposition, oui, nulle part au monde, on a vu tous les partis s'unir. Oui, que ce soit même aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates, mais pas seulement deux partis. Il y a d'autres partis qui sont nombreux, même s'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc même là-bas, on n'a pas réussi à réunir l'opposition. En France, il y a la droite, il y a la gauche, et d'ailleurs Macron est venu, les autres, il y a les écolos, il y a l'extrême droite, il y a ceci et cela. Ce n'est pas parce qu'on dit opposition qu'on a les mêmes idées, qu'on a la même idéologie. Quand on parle par exemple opposition, aujourd'hui, vous allez trouver le Parti Socialiste dans l'opposition. Mais est-ce que le Parti Socialiste peut s'unir avec l'extrême droite de Marine Le Pen? Mais tous ces pays, tous ces partis-là sont de l'opposition. Mais ils ne peuvent pas s'unir. Ils sont antagonistes. En France, on n'a jamais eu un front de l'opposition contre le régime. Ce n'est donc pas cela qu'on appelle l'union de l'opposition. En fait, quand on voit l'idée de celui qu'on peut qualifier comme la locomotive de la PAC, à savoir le député Nietzsche, il est question que plusieurs mouvements se réunissent autour d'un leader, Maurice Kamto, mais pas tous. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on partage les mêmes idées que Maurice Kamto. Comment pouvez-vous unir, par exemple, Maurice Kamto avec Bandakane Kani? Bandakane lui aussi dit qu'il est opposant, non? Mais s'il faut donc unir l'opposition, mais les gars! Et c'est pour ça que Maurice Kamto a justement refusé cette proposition où certains disent, comme Cabral Libi, allons aux primaires de l'opposition. Dans les primaires de l'opposition, on verra donc Maurice Kamto contre Momo. Momo est dans le gouvernement. On verra dans les primaires de l'opposition Maurice Kamto contre Bello Kouba Maïgari. On verra dans l'opposition des duels incroyables qui seront financés par le parti au pouvoir, le RDPC. Et puis, comment va-t-on financer ces primaires? Comment va-t-on faire pour
essayé, alors que le fichier électoral, tout simplement là, même le parti au pouvoir ne parvient pas à gérer une élection où il y a à peine 6 millions de participants. On va faire comment? On va utiliser quelle machine? Ah, on va utiliser les portables. Les portables à l'extrême nord, n'est-ce pas? Là, il n'y a même pas Internet. Là, les gens n'ont même pas d'eau. Comment on va collecter les résultats? Mais même aux États-Unis, mais c'est... Voilà donc l'idée qu'ils sont en train de vous vendre. Que non, nous ne pouvons pas faire partie de la coalition et tout et tout. On ne demande pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne se limite pas à deux partis. Le parti au pouvoir qui prend tout le monde et les mangeurs, qu'est-ce qu'ils sont dans la mangeoire et tout, et ceux qui sont dans l'opposition. Non. Ici, les questions d'anticiper. Parce que lors de l'élection de 2018, qu'est-ce qu'on avait vu? Par exemple, Maurice Kamto, pour avoir certains, comme les Paul Elie Kingé, qui, ma foi, était du RDPC, ils sont arrivés un peu tardivement. Et du coup, on n'a pas eu à mobiliser les gens. Et d'ailleurs, c'est à quelques jours de l'élection présidentielle, que Akere Mouna a eu à abandonner la course à la présidentielle au profit de Maurice Kamto. Mais le régime en a profité pour créer la confusion. Puisqu'on n'a pas retiré les bulletins d'Akere Mouna. C'était toujours dans des bureaux de vote. Et les gens continuaient parce que l'information n'avait pas eu à passer. Il est donc question maintenant d'anticiper pour voir exactement comment est-ce que l'opposition peut fonctionner avec une majorité des vrais opposants. Pas les opportunistes. Pas ceux-là qui seront là, qui vont vous dire que, oh, moi, vous allez entendre que Serge Matumba est aussi opposant. Vous allez entendre que Joshua aussi est devenu opposant. Ah! Mais si tel est le cas, sachez que les opposants qui sont au palais, nourris par Etudi, c'est eux qui vont représenter à la fois le RDPC et l'opposition. Cette opposition, ceux qui ont la lucidité, on a souvent utilisé des trucs comme le tribalisme pour diviser. Oui, tel est de telle tribu, tel autre, oh, il ne peut jamais être président, et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, plein de personnalités, des intellectuels, ont compris et donnent une certaine crédibilité même à la candidature de Maurice Kamto. Je vais essayer de vous proposer une vidéo, même comme vous allez voir, une vidéo où, justement, certains sont devenus conscients de cette réalité et certains aujourd'hui appellent justement à pouvoir considérer leur position, pas de s'imaginer que parce que tu as deux électeurs que tu peux devenir maintenant un grand opposant et que c'est toi que l'opposition doit choisir. Je vous fais écouter donc quelques interventions. Même si ça va tourner, je crois que ce n'est pas très bon. Qui traite le MRC de chimpanzé, les militants du MRC de chimpanzé. Voilà, le chimpanzé a commencé. Rappelons que nous sommes en pleine campagne. Elle vient déchirer. Nous sommes dans la démocratie et elle a le droit de déchirer nos affiches. C'est quand même curieux. Vous avez le droit de déchirer. Avec le pouvoir, c'est écrit. Après le SDF, il y a eu mon illustre collègue, ça je tiens à vous le dire, en dépit de tout ce qui est dit. Hein. Pour moi, Maurice Kamto a été mon enseignant. C'est le plus brillant de nous tous en droit public, que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. C'est d'ailleurs très bien. Alors, Maurice Kamto a levé la tête
a ouvert d'abord, Camerounais a ouvert les yeux, il a dit il faut changer de gouvernement. Il a payé le prix le plus lourd, il a été en prison. Les Camerounais ne suivent pas. Allez là, tu... Veuillez m'excuser avec cette vidéo. Et là, on disait que à l'extrême nord, ce ne sont que les gens du RDPC et Paul Biya qui sont là-bas. Voilà maintenant Maurice Kamto. Maurice Kamto jusqu'à l'extrême nord. C'est pour vous dire. Ici, à Dallas Hugo, c'est un jour pacifique, un jour de fête. Parce que toute la population a répondu présente. On a installé ici aujourd'hui 10 unités. 10 unités. Félicitations, monsieur le communal. Merci beaucoup. Merci le communal qui a fait le travail. 10 unités installées. Donc, félicitations. Il s'appelle Amadou Baï. Donc, c'est le général de la montagne. Félicitations. Monsieur le régional. Oui, mon cher. Je suis obligé de faire ce travail parce que c'est moi qui connais la souffrance que j'ai dans les dents. Très bien. Ça aurait été mieux là. La souffrance de mes mamans. Mais je vous supplie parce que je n'ai pas retrouvé la télécommande. C'est les cailloux. C'est dans la jambe de mon fils. On va recommencer le meeting. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour toute la population. Sur les primaires, Maurice Kamto lui-même a pris position bien avant. Parce et je vous prie de l'écouter. Bien, j'entends sur les réseaux sociaux. On fera un fait le compte rendu. Certains qui disent qu'il faut les primaires. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il faut les primaires, posez-lui la question. Nous ne sommes pas opposés aux primaires. Mais comment vous les organisez? Écoutez, j'arrive. Comment vous financez? Qui sont les électeurs? Où seront les bureaux de vote? Qui peut comprendre les résultats? Qui est l'organe chargé du contentieux en cas de contestation des résultats, etc., etc., etc. Parce que voilà. J'ai l'impression parfois que le peuple camerounais a été tellement déçu qu'il a tendance à s'accrocher au premier aventurier qui se lève et lance une quelque idée. Il faut faire très attention. Vous êtes des responsables. Raisonnez. On dit, parce qu'on a entendu... En Europe, on a fait les primaires. Même en France, on a fait les primaires. Plus personne ne veut parler des primaires. Parce qu'on a vu la catastrophe à laquelle ça a mené, aussi bien à droite qu'à gauche. Les candidats que le Parti Socialiste aurait lui présenté, qui était son président sortant, n'a pas pu se présenter à cause des primaires. Parce qu'on lui a imposé d'aller faire les primaires. Le désordre est entré dans le parti. Écoutez bien. Le candidat de droite, qui aurait pu rassembler tout le monde, peut-être Juppé, tout ça, est allé aux primaires. Il a été écarté. La droite s'est retrouvée par terre. Ça, c'est déjà chez eux, c'est organisé. Les circuits sont... Mais au Cameroun, quelqu'un vous dit qu'il va organiser les primaires. Vous dites, quel est le fichier électoral des primaires? Qui vote? Est-ce que c'est tout le peuple camerounais? Mais si c'est tout le peuple camerounais, même le RDPC peut vous aider à choisir votre candidat. Il faut qu'on arrête de tromper, de perdre les fourvoyer le peuple camerounais. Je vais m'arrêter là. Mais soyez confiants. Comme dit le proverbe, si nous sommes la cible de tout le monde aujourd'hui, c'est que comme dit le proverbe, c'est qu'on ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Il y a trois ça. Il y a trois partis politiques au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu tombes toujours sur la tête. Merci. Mais son président. 300 partis politiques. Quelqu'un fait sa marche. On nous fait le procès de ne pas aller participer à cette marche, alors on n'a pas été invité. Tu te dis, mais dans les 300 partis politiques, là, il y a que le RNC qu'on cherche. Donc, il y a autre chose. Donc, je vous dis, restez confiants. Nous, vous nous avez fait confiance pour porter le brassard. Sachez qu'on veille aux crèmes. On veille aux crèmes. Et le parti est dirigé, ne doutez jamais. On s'est resté. Mesdames et messieurs, lorsque vous écoutez cela, c'est tout à fait logique. C'est logique parce que
Nous avons vu cela par le passé. Et nous avons vu les opposants caméléonesques qui ont souvent été sponsorisés par l'opposition. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un pays qui doit connaître une transition, avec un régime qui a beaucoup duré, faut-il encore se lancer derrière des aventuriers qui n'ont eu aucune expérience pour le passé ou qui ont des acquaintances avec le FDPC ou qui sont uniquement là pour disperser les troupes? Faut-il unir dans le même bocal les chats avec les souris? Faut-il unir dans la même maison le serpent et la chèvre? Ceci veut donc tout simplement dire que quand on parle de la coalition de l'opposition, ce n'est pas pour interdire aux autres de s'unir. Ils peuvent bien être avec le FDPC, on l'a vu plusieurs fois, mais de pouvoir ratisser large ceux qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes ambitions pour le changement. Et non, ceux qui veulent entrer dans le gouvernement. Il faut donc savoir que aujourd'hui, il n'est pas question, et il faudrait que ceux-là qui veulent faire de la communication disent qu'il faut un candidat unique de l'opposition. Non. Si Maurice Kamto est même candidat unique de l'opposition, ils vont la battre. Ils auront rapidement vu. Et il faudrait que la coalition autour de Maurice Kamto, parce qu'il peut paraître lui comme un leader, et parce qu'aujourd'hui, que ce soit au fond du pays, et c'est pour ça que j'ai montré l'exemple de Maroua, de l'extrême nord plutôt, on se rend compte qu'il a une crédibilité nationale, internationale. Autour de lui donc, ce sont des personnes qui doivent s'unir. Le combat aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation doit être intense. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation par rapport à l'inscription aux listes, aux inscriptions, aux listes électorales. La priorité aujourd'hui, c'est que les vrais opposants doivent aussi s'unir pour revendiquer justement ce qu'on peut appeler le toilettage du fichier électoral, mais aussi du code électoral. Sans nettoyage de ce code électoral qui donne toujours le RDPC vainqueur, sans toilettage de ce fichier électoral, eh bien, partir aux élections risquerait d'être encore une autre sorte de perte de temps. C'est donc là où ceux qui vont s'inscrire doivent aussi se mobiliser. Le peuple camerounais peut revendiquer justement un code électoral digne de ce nom et non un code électoral taillé sur mesure pour la victoire de Paul Biya ou de Franck Biya ou de Ngongo ou de je ne sais qui du RDPC qui viendra. C'est donc avec cette coalition, cette alliance, cette union sacrée qu'on pourrait avancer. Mais qu'on dit qu'un jour, vous allez prendre Momo, mettre dans l'équipe de Kamto pour vous dire qu'il est opposant. Qu'on dit espérer un jour que vous allez prendre Chandantone. Il se dit opposant, hein? Son parti, c'est le parti de l'opposition. Hein. Mais la seule ambition et la seule mission qu'il a reçue, c'est la destruction du MRC à l'ouest. Donc si on fait une coalition avec Chandantone, ça va finir comme quoi? Comme le lacan. Le verre sera dans le fruit. Donc même dans la coalition, il faut déjà regarder la probité morale de ces gens-là qui viennent là.
pour vendre, pour se vendre de ces gens qui vont vous tourner le dos, qui vont encore décevoir le peuple. Mieux vaut une coalition réduite à des personnalités intègres, à des associations, à ce qu'on peut appeler des syndicalistes aussi, à la jeunesse. Mieux vaut cette coalition réduite que ce que vous espérez comme coalition avec candidat unique de l'opposition. Que les autres candidats fassent leur coalition et on verra bien les résultats peu après, puisqu'on va additionner, vous le savez très bien, le résultat 0,01 plus 0,02 plus 0,00001 plus 0,00003 plus 0,0. On va les entasser comme ça. Ils ne vont même pas arriver à 2%. Parce que ce sera les 0,00 plus 0,00 plus 0,00. C'est eux qu'on appelle les opposants. Des opposants qu'on n'a jamais vus. Toute une année, ils sont là. Ils ne interviennent pas pour les problèmes du peuple. Ils ne interviennent pas dans la vie sociale de, même de l'endroit où ils sont. Mais dès qu'on dit élection présidentielle, c'est là où vous allez voir tous les 300 partis, 400 partis. Quand lui a parlé de 300, mais on est déjà même à 400. Du Cameroun, ils vont se lever comme ça. Chacun va se dire que, oh, je suis déjà candidat. Oh, je mérite d'être président. Oh, et on commence à dénigrer le vrai opposant. C'est un système qui dure depuis plus de 40 ans. Et c'est un système auquel nous devons actuellement sortir, éviter ce piège. Le 21 février 2024, ça fait 10 ans qu'un grand homme nous a quittés, assassinés. Il était la voix des sans voix. Et il tirait contre son propre camp. Il était intelligent, percutant, éloquent, performant, polyvalent. Il s'appelait Charles Ateba Yeni. Il est mort pour la vérité. Il a commis 22 ouvrages. Docteur Charles Ateba Yeni, mort à 42 ans, était certainement le plus intelligent de sa génération et le plus prolifique des auteurs. 22 ouvrages écrit de sa plume. C'est belle. Charles Ateba Yeni est aussi un martyr, une victime, parce que sa mort reste non élucidée et parce que beaucoup des membres du gouvernement, ils sont impliqués. Ils se sont débarrassés de lui parce qu'il ressemblait à un ver dans le fruit. Lui qui, dès 1996, était déjà chargé de la communication de l'OJRDPC au bureau national et qui, par la suite, sera désigné membre suppléant du comité central du RDPC.
Malgré tout, Charles Ateba Yené ne partait pas pour manger. Charles Ateba Yené n'était pas comme les autres. Il ne cherchait pas des grades. Mais il était là pour fustiger les comportements et surtout pour réveiller les consciences endormies d'un peuple qui, comme le disait, était sombré dans la peur, l'alcool, la drogue, les sectes, l'homosexualité, bref, tout ce qui fait que le Cameroun ne puisse pas avancer, mais plutôt reculer. Charles Ateba Yené a marqué son temps. Et parce qu'il a marqué son temps, nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que des hommes de cette envergure méritent d'être célébrés et surtout qu'ils ont donné de leur peau, de leur vie. Quand j'ai connu Charles Ateba Yené, il m'avait proposé de venir faire une émission à la radio basée sur l'éthique. Et ceci m'avait beaucoup plu. J'avais immédiatement validé parce qu'il dirigeait le club éthique. Et Charles Ateba Yené, bien que je sois parti, était resté en contact avec moi. Mais je savais pertinemment que son combat, le combat qu'il menait, était dangereux. Et je lui disais, voilà les raisons pour lesquelles j'avais dû m'enfuir de mon pays. Très courageux, en 2009, il avait vu sa femme mourir dans des conditions bizarres, alors qu'elle voulait accoucher à Douala. Il m'avait dit, c'était un avertissement et on m'a demandé de me taire. Mais mon frère, j'ai déjà fait des enfants, je ne vais pas me taire. Charles Ateba Yené a continué à multiplier les sorties. À la télé, à la radio, popstar, que dis-je, rockstar, mégastar, parce que le verbe fluide, l'expression, le langage châtié était de haute qualité et il savait en faire usage. Il a marqué toutes les couches sociales et sa mort, jamais personne n'a eu a soulevé autant de passions et autant de populations pour lui rendre hommage. À part le deuil de Marc Vivien Fouet, la mort de Charles Ateba Yené a été une véritable démonstration de force, d'amour d'un peuple qui rendait à ce digne fils de Bikoka, né le 15 janvier 1972 du côté de l'océan et qui n'avait rien à faire avec le tribalisme. Il le dénonçait, il dénonçait la prévarication, il dénonçait la corruption, il dénonçait tout état de la société et il se faisait beaucoup d'ennemis. Avant de revenir sur les conditions de cette mort au CHU, nous allons écouter Charles Ateba Yené. Cette relation, mais il y en a d'autres qui... Un bouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons.
L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, Trièvenal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Un journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule, allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme, on boit le sang, on égorge les enfants. Il faut interdire que les généraux viennent se mettre à l'arche lourde avec les canons et les médailles pour siffler les autres peuples. Il faut interdire ça. C'est l'une des images les plus ridicules que j'ai jamais vues dans ce pays ces derniers temps. Il dit de son côté que c'est pour se laisser ça. Donner le pouvoir au commandant de brigade qui se trouve partout. Pardon. On ne peut pas. Comment le Cameroun ne veut briller que dans l'insolite et le curieux? Qu'est-ce que le général fait en route avec les ballons, les médailles, machin, en train de siffler le peuple? Ça, c'est que j'ai jamais vu. Il y a des choses à faire. L'axe lourd est maintenant petit. Il faut, quand on engage, je vous ai dit qu'il y a dans ce pays des gens agrégés dans le sens de mettre tout le peuple hors sujet. À côté, ils ont des agrégations, l'art d'être hors sujet. L'axe lourd, il y a tous les axes lourds, c'est petit. Deux voitures n'arrivent pas à se surpasser. Ce problème-là, c'est ça le vrai problème. La solution n'est pas à côté. La solution est je vous dis, qu'est-ce qu'il y a parce qu'on construit l'autoroute? Parce qu'il y a des amis qui gagnent les marchés pour fermer les trous, etc. Jean-Jacques, permettez que je dise ce que j'ai à dire. Rapidement, en matière de sécurité au Cameroun, je pense que c'est entretenu. Parce que depuis que je suis né, et Dieu seul sait, j'ai les cheveux blancs. Je ne mets pas le blanc. Bon, alors, on parle de l'axe lourd Douala Yaoundé. On a fait ça quand même. Maintenant que le président était à Douala pour faire le deuxième pont, ça veut dire que la suite, il faut attendre plus de morts encore. Parce que les voitures vont arriver, ma chère. L'axe lourd va arriver quand? L'axe lourd va arriver quand? Il s'en après sa mort. Il n'y a pas de question de la sécurité. Je vous rappelle, on va aller rapidement parce que nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala. Retenez que la ville la plus cruelle du monde. Écoutez, la 9e, c'est Douala. Douala, il faut le retenir, il faut connaître ce genre de statistiques. Je vous donne encore d'autres statistiques sur. J'étais à l'Est, il y a 3 mois. Ma mère qui m'a accouché, Djamé Rosalie, elle est patrouille. Donc là où il y a les rebelles, là, c'est à quelques pas de mon village, maternel. Donc j'ai des informations, etc. Quand il y a 3 mois, Moussala, il y avait à l'Est. 53 000 réfugiés centrafricains, 53 000 absolument. Et dans la Damawa, 30 000 réfugiés centrafricains, ça fait 80 000 réfugiés. C'est beaucoup. Et si on rajoute ce réfugié, avec ceux qui viennent d'arriver, si on pense que des réfugiés centrafricains, je suis venu ici aujourd'hui inviter l'ONU et le ACR à venir s'occuper. Très bien, on va arriver sur la question des réfugiés tout à l'heure. Je suis Charles Raïlis. On a très peu de temps, Charles. C'est ce qui crée les sécurités. Oui, merci, Charles. On a très peu de temps maintenant. Je regrette. Je peux choisir de présenter les statistiques. On va suivre. Je peux choisir la dimension comparative. Je peux également choisir la dimension analytique prospective. Je regrette. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que le professeur Owona veut 15 statistiques. Et la question que je pose, puisque je fais les statistiques, sauf si nous n'avons pas tous la même compréhension de ce qu'on appelle statistique. Parce que ce que je voulais dire là, c'est les données, la comparaison. Les statistiques veut dire qu'on donne des éléments, des chiffres,
par rapport à ceci, j'ai donné les statistiques sur le nombre de secrétaires généraux que le Sud a eu de 1982 à 2007. Ce sont les statistiques des secrétaires généraux. J'ai donné les statistiques des ministres fils du Sud de 82 à 2007. Ce sont les statistiques. J'ai donné les statistiques des recteurs. J'ai donné les statistiques. Donc, c'est par rapport à ce que je voulais montrer. Je vais rappeler le titre de mon ouvrage. Voilà. Les paradoxes du pays organisateur. Élite productrice ou prédatrice. Le cas de la province du Sud à l'ère Guya, 1982-2007. Et ça, c'est Paul Biya. Il ne m'appartient pas là. Je pose le problème de l'élite et du développement. Chez Paul Biya. Je pose le problème de la contribution de l'élite dans le développement des localités. Je pose le problème de la politique du développement auto-centré qui avait été proposée par le président Ayidjo. En abandonnant les plans pétrolières, on nommait l'élite et on disait l'élite va porter le développement. Je voulais montrer les limites de cette politique-là. Parce qu'en réalité, en prenant le cas de la province du Sud, qui a eu trop d'élites, mais où le développement est absent, j'avais des arguments pour étayer ma thèse. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, si le professeur Wonave écrit son livre sur tout ce qu'il a fait, libre à lui. Mais je répète aussi qu'en même temps, il dit que l'élite n'est pas l'élite du village. En même temps, il se gargarise d'avoir construit beaucoup d'écoles avec de l'argent. Quand on est pour l'école, il a dit au Cameroun, en tant que ministre de la Santé, j'ai construit les écoles. C'est comme s'il a pris de l'argent dans ses poches. Pourquoi ne dirais-je pas, j'ai fait construire des écoles. Moi, je suis littéraire aussi. Je suis sémioticien également. La manière de poser le problème, j'ai construit des écoles. C'est moi qui ai. Ça signifie que c'est pas le gouvernement, c'est pas l'argent de l'État. La question idiote que je voudrais bien poser est de savoir pourquoi, depuis que le professeur Ogona n'est plus ministre, il ne poursuit pas les écoles au Sud. C'est ça. C'est cet amalgame qu'il ne faut pas entretenir. Monsieur Atebayeré, oui? Est-ce qu'on peut considérer que votre droit de réponse a été exercé? Je n'ai pas de problème. Je voulais seulement. Le professeur Ouona, vous savez, quand on est né en 50, on a 62 ans, on commence le troisième âge. C'est pas cohérent tout ce qu'il a dit me concernant. Et les maladies du troisième âge, c'est entre autres. Vous êtes méchant là. Je ne suis pas méchant. Vous allez y passer aussi. Hein. Je suis vrai. Oui, mais je suis vrai si vous voulez. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, en buvant du Charles Atebayeré qui ne buvait pas du vin, c'était aussi pour rappeler à la nouvelle génération ou à ceux qui, à cette époque, ne l'avaient pas connu, de pouvoir, au moins, s'en parler qu'il y a déjà eu des Camerounais courageux. Qu'il était du Sud, c'est le plus important surtout. Ce n'est pas parce qu'on est du Sud, chez Paul Biya, qu'on doit féliciter Paul Biya, qu'on doit féliciter le professeur Joseph Ouona. Charles Atebayeré nous a fait une démonstration que le Sud avait les élites, mais que ces élites-là étaient ensauvagées, était prédatrice, était détourneur de fonds. Charles Atebayeré a donné la leçon à ceux qui viennent vanter le régime Biya sous prétexte qu'ils sont du RDPC. Il était du RDPC. Mais il critiquait de la maison.
Il était du Sud, mais il critiquait les élites du Sud. Vous voyez que son droit de réponse, c'est contre le professeur Joseph Owona, du Sud comme lui. Les jeunes comme Charles Akébaïémé ont donc combattu le tribalisme. Contrairement aujourd'hui, après la mort de Charles Akébaïémé, où on va vous dire que quelqu'un qui est de l'opposition ne doit pas aller au Sud, ne doit pas aller faire la campagne. Où on vous dit qu'au Sud, on vote tout simplement à 99,99%. Charles Akébaïémé posait des vrais problèmes et donnait aussi des solutions qui, malheureusement, n'ont jamais été prises en considération parce qu'il était l'homme à abattre. Charles Akébaïémé a donc été victime d'un empoisonnement de ces gens du régime. Charles Akébaïémé a subi ce que beaucoup de journalistes, beaucoup d'esprits libres, et même Martinez Zogo, dont il était ami, a subi. Charles Akébaïémé a d'ailleurs fait des confessions dans l'émission de Martinez Zogo. Puisque, après moi, il a continué avec Martinez Zogo. Et si Charles Akébaïémé n'a pas été zigouillé, sachez que c'est juste parce qu'on a utilisé le poison pour l'assassiner. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont toujours dans le gouvernement, qui ne veulent pas la vérité, parce qu'ils sont des détourneurs de fonds, et qui continuent encore avec leur poison à injecter ça sur les populations, utilisant, comme d'habitude, les mêmes circuits, les mêmes complicités et aussi la même impunité. Charles Akébaïémé est donc mort, mais ceux qui l'ont tué sont toujours là. Ils dorment en paix. Mais nous avons le devoir de les dénoncer, de les interpeller, parce qu'ils sont encore aujourd'hui devant l'actualité. J'appelle à la barre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Qu'as-tu fait à Charles Akébaïémé? J'appelle à la barre à Matou Toumouna, ancienne ministre de la Culture, amante de Laurent Esso. Qu'as-tu fait à Charles Akébaïémé? J'appelle à la barre le zomlo des zomlo, Amougou Belinga, qui était déjà avec ce clan-là pour détruire des journalistes. Quel est ton rôle dans l'assassinat de Charles Akébaïémé? J'appelle à la barre Peter Mafani Moussongue, ancien premier ministre, et qui avait traduit Charles Akébaïémé au conseil de discipline où il devait passer le jour même de sa mort. L'histoire vous jugera et je vous étalerai pour que la vérité et la justice soient rendues. L'assassinat de Charles Akébaïémé s'inscrit dans la longue liste des assassinats politiques, avec toujours un individu. Cet individu s'appelle Laurent Esso. Laurent Esso a été cité dans l'affaire de Martinez Zogo.
C'est cet homme qui a donné l'ordre. Finissez le travail. Mais aujourd'hui, le même Laurent Esso, qui a été accusé publiquement par Charles Terrayenet, est défendu soit par des activistes, soit par des journalistes gobistes qui sont là pour embrouiller les Camerounais, pour essayer de mettre le doute et pour essayer de blanchir un homme qui est foncièrement méchant, dangereux. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un homme du gouvernement plus dangereux que Laurent Esso. Et Charles Latébé-Yéné l'a crié 250 fois sur tous les toits. La mort de Charles Latébé-Yéné vient exclusivement d'abord de Laurent Esso. Pourquoi? Parce que Charles Latébé-Yéné va monter au créneau. Nous sommes en juillet 2013. Il passe sur plusieurs médias et sera même aussi interviewé par Martinez Zoubo. Et il va déclarer, c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. Et par la suite, il va faire un autre témoignage que Laurent Esso l'a appelé par le téléphone pour lui donner un rendez-vous, pour qu'il aille dans les sectes. Il voulait le recruter. À partir de là, Laurent Esso a mis un rouleau compresseur, comme avec l'affaire aussi de Martinez Zogo, où il y avait toujours Amou Belinga. Charles Latébé-Yéné sera piégé. Piégé comment? D'abord, au niveau de la promotion, on va se rendre compte que lui, si intelligent, lui qui était chef service au ministère de la Culture, il sera balayé d'un revers de la main par Amadou Toumouna. Il va devenir presque comme un clochard, se contentant juste d'aller donner les cours à l'Éric. Amadou Toumouna l'avait chassé du bureau. Et Amadou Toumouna le chasse du bureau et le relève comme chef service. Or, c'est Charles Latébé-Yéné qui, comme il disait, était parti chercher Amadou Toumouna qui était Baye Abdeslam pour qu'elle devienne ministre. Amadou Toumouna sort avec Laurent Esso. Et d'ailleurs, elle va partir avec Laurent Esso jusque dans la maison familiale à Bastos. Amadou Toumouna est la petite sœur de Maître Akere Mouna ou de Bernard Mouna. Mais elle amène Laurent Esso à aller se moquer de la... aller faire de la sorcellerie dans le domicile familial. C'est le même Laurent Esso qui va faire que cet Amadou Toumouna cherche à tuer Akere Mouna en lui portant plainte sur les affaires de l'héritage et tout ça. Laurent Esso a donc utilisé Amadou Toumouna pour régler ses comptes à Charles Latébé-Yéné. Charles Latébé-Yéné, même son salaire était bloqué. Et il va partir dans une cérémonie à l'IAI, Institut africain de l'informatique, de chez Armand Abanda. Il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé. Il va s'écrouler là-bas. Alors qu'il buvait un jus, puis un thé. À partir de là, tout allait très vite. Quand j'ai appris ça, je lui avais dit qu'il était empoisonné. Charles Latébé-Yéné a cherché
par tous les moyens à se faire évacuer. On a bloqué son salaire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'il tournait là, en lui disant non, ça va arriver. Mais même son salaire, il n'avait pas. Il ne pouvait non plus partir comme ça, en laissant sa pauvre petite famille. Après avoir eu à s'écrouler une fois, il va s'écrouler encore chez lui. Il sera transporté parce qu'il avait construit un fou à l'hôpital. Docteur Ndam va faire les premiers examens et va constater qu'il a des problèmes sur l'appareil. Tout son appareil respiratoire ne fonctionnait pas. On va avec lui, bien sûr, au niveau de la clinique Fouda. Entre-temps, sa voix ne donnait plus. Son seul instrument de travail. Les amygdales sortaient de partout. Il se fera opérer par le docteur Zemeka Amimouane dans sa clinique, qui d'ailleurs va m'avouer qu'il n'a jamais vu un tel cas et qu'il était inquiet quand je lui ai dit certainement, est-ce que tu ne vois pas que ça fait plus? Il a dit, oh, ça, je crois que c'est ça à 100%. De la clinique Fouda, Charles Latabayene a refusé qu'il soit transporté au CHU. Parce qu'on lui disait toujours que s'il va là-bas ou à l'hôpital central ou général, on va le terminer. Il avait cette information. On l'a injecté. On est parti avec lui. Il était inconscient au niveau du CHU. Alors que les journalistes était devant le CHU, c'est là où le directeur va arriver, va prendre Stéphane Semengue. Stéphane Semengue, c'est le fils du général Semengue, pour entrer avec lui. Là où on disait que Charles Latabayene est en réanimation et on lui fait une dialyse. Là, on fait croire à la famille que c'est une insuffisance rénale. Pendant ce temps, Charles Latabayene vomit du sang. Mais la famille n'est pas au courant. Stéphane ressort. Il va dire à son père qu'en fait, lui, il est mort. Mais il ne va dire à personne, ni au journaliste. C'est à 20h40, avec l'accord du gouvernement, qu'on va donc annoncer que Charles Latabayene, qui était mort depuis 17h, qui vient de rendre l'âme. Et on prend directement la dépouille, on part avec ça à l'hôpital général. Entre-temps, nous exigeons, mais nous ne sommes pas de la famille, qui est autopsie. Le gouvernement va s'opposer en utilisant le général Semengue, qui était un des oncles lointains ou de je ne sais quoi, de Charles Latabayene, avait d'ailleurs écrit un livre sur lui, un livre pour l'élever. C'est comme ça que nous serons bloqués. Au moment où Charles Latabayene rend l'âme, son téléphone qui était détenu par sa cousine, il y a un message qui arrive. Votre salaire est déjà disponible. Votre salaire est déjà disponible. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas son salaire depuis. Quand on annonce sa mort, c'est là où le SMS arrive dans la nuit. Imaginez, qui peut travailler dans la nuit pour envoyer des messages? L'un des obsèques, Amatutu a envoyé un représentant pour aller se moquer de Charles Latabayene. D'ailleurs, il a failli être lynché là-bas. Le ministre Famodongo, qui combattait Charles Latabayene,
jusqu'à la dernière énergie. Il avait ouvert le champagne. Chez lui, il invitait des gens. Voilà le même clan, le même gang qui continue. Charles Lacraille, cependant, avec le Saint-Testament, ce testament, c'est sa voix. Contrairement à ce qu'on vous dit. Charles Lacraille combattait les détournements et dénonçait et poursuivait le travail qu'avait fait Bibi Ngota. Bibi Ngota avait dénoncé Laurent Esso comme nous dénonçons la ligne 94 aujourd'hui. À cette époque, Laurent Esso est secrétaire général de la présidence. Et il est président du conseil d'administration de la SNH. Il engage donc des détournements avec des rétrocommissions pour l'achat d'un bateau qu'on appelait Rio del Rey. Bibi Ngota était directeur du journal Cameroun Express. Ils vont former un consortium pour faire une enquête. Ils vont recevoir tous les documents et les connaissements grâce aussi à Edwin Oyono, qui était directeur du port. Partout, on voit que c'est Laurent Esso qui est dans les détournements et les rétrocommissions. Les documents sont authentiques. Doivent être publiés. Mais comme dans le journalisme, il faut toujours recouper, même si quand vous voulez accuser quelqu'un, vous lui dites, bon, j'ai tel document, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce que vous dites? Laurent Esso n'a même pas voulu répondre. Il a demandé qu'on les arrête, qu'on aille les torturer. Et il n'était pas seul. Parce qu'il était avec un autre journaliste qu'on appelle Savoie. Et un autre qui s'appelle Minsa. Et Onko, Serge Hervé. Chacun était directeur d'un organe de presse. Parce que vous voyez Martinez Zogo venir mourir aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis. On les assassine depuis. Et lorsque vous regardez, c'est Laurent Esso. Donc, les gars, ils ont les documents. Laurent Esso va déclencher la DGRE. La DGRE, ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des salles coups. La DGRE va arrêter les journalistes, va les maltraiter, va les torturer jusqu'à ce que les gars vont manger leur caca. Ils vont boire leurs urines dans les cellules noires. Bibi Ngota est dedans. Et puis on les transfère. Là, nous sommes en février. On les transfère à la prison centrale de Koné. Pour faux usage de faux. Imitation des signatures du secrétaire général de la présidence, ministre d'État. Qui est Laurent Esso. Arrivé là-bas, les gars sont par terre. Après avoir été torturés au sein, à la DGRE. À la DGRE. Donc, gars arrive là-bas. Déjà, il avait l'hypertension et l'asthme. Et comme il refusait d'écrire une lettre, de démentir, Amgoubelingaval les rencontrer à la prison. Amgoubelinga, qui défendait déjà Laurent Esso et insultait le directeur du port d'être en complicité avec tous ces journalistes-là. Donc, il y avait Onko. Onko était rédacteur du journal Babela. Babela, qui était le propriétaire de ce journal-là,
C'est Henriette Ekwe. Henriette Ekwe, comme vous voyez là, qui maintenant, là, à l'époque, elle était d'ailleurs, je crois, conseillère du syndicat des journalistes du Cameroun. Donc, c'est son journaliste. Ils ont fait une enquête claire, comme tous les journalistes font souvent. Au lieu que Laurent Esso s'explique, au lieu qu'ils disent que non, nos bateaux-là, c'est vraiment de qualité ou ceci et cela, non. Il a dit qu'il faut les éliminer. Et s'ils n'étaient pas des journalistes, et que certains n'avaient pas fui, parce qu'un va s'enfuir, on court. C'est parce qu'on court fuit qu'on ne les a pas éliminés à la DGRE. Les instructions de Roland et de Laurent Esso, c'était d'éliminer et de faire disparaître les corps de ces journalistes-là. J'ai dit bien qu'il était ministre, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. Le 22 avril 2010, Bibi Ngota meurt en pleine prison. Ça devient un scandale dans le monde entier. Comment un journaliste qui voulait faire une enquête, qui menait une enquête avec des documents, se retrouve en train de mourir en prison? Et les autres journalistes étaient aussi sorciers, comme les Laurent Esso. Eh bien, tout le monde... Enfin, il envoie des gens pour essayer de couper. Il envoie pour que les gens ne puissent plus suivre la vérité. Une chose est sûre, c'est que cette vérité sera dite, sera étalée, toutes portes ouvertes. Parce que des gens comme Laurent Esso sont des dangers pour l'humanité, sont des dangers pour la République. Donc, je répète donc que ces journalistes ont été anéantis. Ces journalistes ont été traumatisés et ont dû d'ailleurs abandonner ce métier à cause de Laurent Esso. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que c'est un Mugubelinga, non seulement qui a lui a piégé les journalistes en disant que oh, les journalistes ont écrit les lettres à qui pour demander des excuses. Les journalistes, Amoubeling est parti fabriquer des fausses lettres. Et d'ailleurs, l'un des derniers repas de celui-là, c'est-à-dire que Bibi Ngota, avant qu'il ne commence à s'étouffer, c'est Amoubeling qui était venu avec le sandwich. De telle sorte qu'on ne sait même pas s'il a été empoisonné. L'affaire de Bimbota est d'autant plus grave que vous allez vous rendre compte que en 2011, il va passer devant l'Assemblée, devant les députés. Nous sommes en juillet. Les députés vont lui poser la question sur l'assassinat de Bibi Ngota. Il va dire, c'est qui? Je n'ai même jamais porté plainte. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà comment est-ce que Laurent Esso a répondu. Qu'il n'a jamais eu de contact avec lui. Sur l'assassinat de Charles Akebayani. Charles Akebayani dit que Laurent Esso l'a appelé. Parce que Laurent Esso a toujours utilisé Amoubelinga dans le milieu journalistique pour piéger les gens et pour les assassiner. Regardez ce qui s'est donc passé dans l'assassinat de Martinez Zogo. C'est lui qui a appelé au téléphone Danway pour lui dire finissez le travail. Mais vous voyez, c'est pas le travail que fait maintenant un soi-disant journaliste qui n'a jamais travaillé quelque part en Europe, mais qui ne travaille que pour ce clan de destructeurs.
connaissez? Ce qu'il écrit, il dit que Laurent Nesson ne pouvait pas donner d'ordre. Parce que Laurent Nesson n'a pas de téléphone. Vous pouvez croire à ça. Que Laurent Nesson, un ministre d'État, n'a pas de téléphone. Même au cabinet, n'est-ce pas que dans tout ministère a les téléphones, non? Ta secrétaire, tu fais comment? Le secrétaire n'a pas de téléphone, ton bureau n'a pas de téléphone. Et c'est pour lui, il va t'appeler. Tu n'as pas de téléphone. Même un préfet, avant de se déplacer, il doit demander autorisation. Il doit être joignable. Un gouverneur doit être joignable. Tout membre du gouvernement doit être joignable. Même Paul Biya, qui est le président, n'ayant pas de téléphone, il a un téléphone. C'est-à-dire qu'il ne décroche pas lui-même. Mais c'est Fouda, le contre-amiral, qui décroche. Et quand il est à la maison, qui décroche? C'est le maître d'hôtel. Comment on peut dire en 2023 que Laurent Nesson n'a pas de téléphone? Alors que je vous ai présenté ici, non seulement les WhatsApp où on groupe avec lui, on le voit aller à tel ou tel endroit avec le téléphone, Paul Biya doit parler et tout, à quelqu'un, lui donner des instructions. Le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, doit lui dire ceci et cela, et lui n'a pas de téléphone. Et vous croyez en ça? Dans son bureau, on a détaché tous les téléphones. Chez lui, au domicile, on a détaché tous les téléphones. Mais comme le mensonge est petit, le mensonge a des jambes courtes. Écoutez ce témoignage de Charles Atebayene. Écoutez. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Je vais dire aux Camerounais que M. Laurent Nesson est de la race des Camerounais dont il faut se mettre. Un peu de mesure, Camille. Je connais Laurent Nesson plus que beaucoup d'entre vous. Écoutez, le film m'a appelé au téléphone. Je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans son téléphone. Non? Il était ministre des Relations Extérieures. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Nesson. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté. Et il m'a reçu une fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il me dit, je m'appelle Laurent Nesson. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler? Je n'ai rien, je n'ai jamais traité avec lui. Il est ministre des Relations Extérieures. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h, je trouve qu'à partir de la guérite, on m'attend comme si on attendait un chef de l'État. Il n'est pas le vote du tout. Il a fait son bureau, il a parlé pendant. Il m'a donné 100 000 francs. Et il a fait. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Gota est mort, Bibi Gota était mon ami. J'ai dit que c'est Laurent Nesson qui a tué Bibi Gota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Gota, parce que Bibi Gota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et j'ai dit que Laurent Nesson, qui est d'Edo, doit prendre. Excusez-moi, ça s'est coupé. On va reprendre. Vous avez suivi. Le plus important, c'est que Charles Atebayene vous dit ici que Laurent Nesson l'a appelé au téléphone. Comment est-ce possible qu'on vous dise aujourd'hui que Laurent Nesson n'a pas de téléphone? Réécoutez bien. Réécoutez. Réécoutez. Vous allez écouter. Je veux qu'on écoute cette partie. Je veux qu'on écoute cette partie. Où chaque... Je vais dire aux Camerounais que M. Laurent Nesson est de la race des Camerounais dont il faut se méfier. Un peu de mesure, Camille. Je connais Laurent Nesson plus que beaucoup d'entre vous. Si M. m'a appelé au téléphone, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans son téléphone. Non? Il était ministre des Relations Extérieures. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Nesson. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté, et il m'a reçu deux fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle.
Il me dit, je m'appelle Laurent Estrope. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler? Je ne viens, je n'ai jamais traité avec lui. Il est ministre des Relations Extérieures. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h, je trouve qu'à partir de la guérite, on m'attend comme si on attendait un chef de l'État. Il ne parle pas de tout. Il prend à son bureau, il a parlé pendant. Il m'a donné 100 000 francs. Et il a fait. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Gota est mort, Bibi Gota était mon ami. J'ai dit que c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Gota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Gota, parce que Bibi Gota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et j'ai dit que Laurent Esso, qui est d'Aido, doit prendre le corps de Bibi Gota et aller l'enterrer à Daido, à Douala. Il ne vous pardonnera jamais. Je m'en fous de lui. Il vous le cherche de ça. Il m'en fout de Laurent Esso. Je m'en fous de lui. Non, 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 je ne sais pas ce que lui. Alors, monsieur Laurent Esso, qui appartient à la race des Camerounais, qui font peur à tous les Camerounais, qui intimident les Camerounais, j'ai demandé. Pour moi, Bibi Gota est enterré au cimetière de Daido. Il n'est pas enterré ailleurs qu'à Daido. Je l'ai écrit et je ne peux pas vous dire la colère de ce monsieur envers moi. Il a reçu mon ami et frère Messanga. Il lui a dit, tiens, il a dit ça en Douala, j'ai enlevé le nom d'Atebayele. Je devais recevoir une médaille. Il a parlé. J'ai un document où j'ai une médaille. Vous attendez à quoi? Bien sûr. Quand la République, c'est Laurent Esso. Vous provoquez les gars. Je ne savais pas. Quand la République, c'est Laurent Esso. Attention. On avance. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un monsieur dont il faut se méfier. Et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux. Non, c'est pas un gars. C'est un monsieur. Dites monsieur. Je ne suis pas un gars. Je refuse. Ministre d'État. Je refuse. Excellence, monsieur le ministre d'État. Je ne dis pas tout. Il a été minéré. Je ne dis pas tout ça. Et pourquoi les Bibi Gota vont à la DGRE? J'ai rencontré un capitaine à la DGRE qui m'a dit que les gars allaient manger les cancans là-bas. Vous en parlez? Je ne vous ai pas dit ce qui s'est passé à la DGRE avec ces trois garçons. Je voudrais également. Nous l'avons travaillé déjà avec la DGRE. Envoyez le journaliste là-bas. Le réel est irréel. Ou fictif. Ces problèmes. Où en est-on? Pourquoi on n'en parle pas? Je voudrais demander également qu'est-ce qui se passe. La gestion du port de Douala. Le jour où les gens diront la vérité dans ce pays. Vous savez qu'ils gèrent le port de Douala avec les Bolloré. On utilise le nom de Bolloré. Mais les vrais gens qui gèrent le port de Douala sont là, dans le gouvernement, prétendent soutenir Paul Biya. En vérité, le temps des clarifications dans ce pays arrive. Vous serez qui importe les sardines au Cameroun. Laurent Esso. Qui est dans le champagne. Laurent Esso. Vous importe les sardines déjà. Bref, vous serez les vrais Camerounais qui ont pillé et qui pillent au Cameroun. Laurent Esso. Laurent Esso en veut à étude au Yomo, c'est clair. Mais Laurent Esso en veut à étude au Yomo. Okay. Il fait sa tête pour deux raisons. Première raison, les Douanas pensent que. Non. Les Sahara pensent que le port de Douala, c'est pour eux. Premier. Ces jours d'études au Yoro à Douala, ce monsieur n'était pas attendu là-bas, n'était pas accueilli. Jusqu'à présent, études au Yoro. C'est-à-dire, les Sawa voulaient presque le tuer. Mais il y a justement un lobby Sawa qui veut la tête au Yoro. Le monsieur qui est à la SNH, monsieur Adolphe Modouki, franco-camerounais, il faut le savoir, il a voté le président français il n'y a pas longtemps. Il faut le savoir. Parce que quand les problèmes vont commencer, on va dire que oui, il est français. Et lobby Sawa en veulent, certains lobby Sawa en veulent. Et tout le Yolo a été tué. Quand on a chassé Dayas Moudoumé, pour incompétence, j'ai le discours lu par Robert Kili. Sa femme a été incapable de venir lui donner le bouquet de fleurs. Ah bon? Parce que c'était la honte. Bon, ça ce va. Monsieur a ramené le port. Et c'est les réseaux Laurent Esso qui ont ramené Moudoumé au port de Guatemala. Il a coulé le port. Voilà donc. La terre est sale. Laurent Esso a coulé le port. A coulé Tunde Oyono. A coulé plusieurs journalistes. Mais à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a la jeunesse qui suit les réseaux sociaux, on vient détourner cette jeunesse-là en leur disant que Laurent Esso, qu'on présente souvent comme le cœur du pays, n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. C'est la continuité. Parce que
Martinez Zogo, dès que tu es journaliste d'investigation, tu vas tomber sur le réseau Laurent Esso. Et dans le réseau Laurent Esso, c'est des tueurs à gages. On ne badine pas. On vous élimine. Et il continue. Et d'ailleurs, dans cette optique, Charles Tébéil avait sorti un livre pour dire détournement dans la logique des coups d'État. C'était déjà prémonitoire. Et il voyait déjà ce qui se préparait. Laurent Esso est convaincu qu'il va devenir chef de l'État. Et quand il parle du lobby Sawa, certains peuvent dire que c'est tribaliste. Oui, parce qu'il y a certaines élites. C'est un groupuscule autour de cet individu qu'on appelle Laurent Esso qui cherche à prendre le pouvoir en utilisant aussi d'autres comme Abou Kouvelinga. Dans le domaine des médias, c'est Laurent Esso qui a donc été la cheville ouvrière. Et ils se sont aussi, ils ont recruté quelqu'un d'autre qu'on appelle Lupol Montazé. Lupol Montazé n'était pas dans le réseau. Mais Abou Kouvelinga va tenir Lupol Montazé comment? Parce que Laurent Esso devient ministre de la Justice et Laurent Esso, c'est lui qui coordonne l'opération Épervier. Or, à la caméra, Montazé était directeur commercial. Il a fait des détournements là-bas. Et surtout, à la CNPS, il a aussi fait des détournements. Amougou va l'aborder, ils vont commencer à devenir monsieur, madame, monsieur, ainsi de suite. Et par la suite, Amougou va tenir lui pour Montazé. Et en lui disant que Laurent Esso a des dossiers. C'est comme cela qu'il va partir avec lui, Paul Montazé, s'agenouiller devant Laurent Esso pour que lui-même aussi ne soit pas dans le rouleau compresseur. Voilà comment est-ce qu'il est entré dans ce réseau. Quand on parle de la ligne 94, de la ligne 65, c'est les lignes qui sont exploitées depuis l'époque où Laurent Esso était secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République et où ils organisaient déjà l'assassinat des journalistes, comme vous pouvez le constater, Bimbota, qui est quand même, jusqu'à présent, la justice n'a pas été rendue, ou encore, docteur Charles Lacabé-Yéné, qui porte la griffe Laurent Esso et Jean-Pierre Amoubelinga par rapport à cet assassinat odieux. Laurent Esso est donc un individu qui utilise le réseau Amoubelinga pour arroser quelques activistes afin d'être blanchi. Mais lorsque j'ai parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, il y avait bel et bien, ce qu'on appelle Danoué qui a fait ses déclarations. Et il y avait bien le rapport et surtout les aveux. Et dans la deuxième audition, il parle de lui, Paul Montazé. Je vous ai déjà lu ça. Les gens disent qu'il n'a jamais cité. Il a bien cité Montazé. Et bam, on a enlevé Laurent Esso. Parce qu'on connaît que celui-là, c'est le haut niveau. Mais dans la confrontation avec Amou Kouvelinga, je vous ai présenté les documents, c'est-à-dire devant la commission mixte. Comment on peut dire que Laurent Esso n'a jamais eu de téléphone de sa vie? C'est pas possible. Ses enfants parviennent à leur jouer de comment? C'est petit et c'est petit. Le joint comment? C'est quelle histoire ça? Quand vous dites qu'il n'avait pas de téléphone, je vous ai expliqué que le téléphone qu'il avait utilisé, Laurent Esso, il l'avait pris, c'est-à-dire quand ils font les opérations, ils utilisent les Choronko. C'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun. Dès que vous finissez une opération, bam, vous réussissez à détruire et le téléphone et la puce, ni vu, ni connu. Mais il continue à avoir un téléphone puce. Il dit qu'aucun ministre ne peut rester dans son cabinet sans téléphone. Mais, et que Laurent Esso est le cerveau de la plupart des crimes qui ont été organisés. L'assassinat de Martinez Zogo ne vient qu'à ce que les autres assassinats l'ont précédé. Mais il n'y a pas eu
cette ferveur populaire. Il n'y a pas eu cette douleur. Il n'y a pas eu justement cette mobilisation comme actuellement dans les réseaux sociaux. Si vous n'auriez pas été là, si nous n'étions pas là, l'affaire Martinez Zogo serait tombée comme ça là. Laurent Esso aurait acheté en hebdo, comme d'habitude. D'ailleurs, il n'achète pas, il est financier là-bas. Il est d'ailleurs partenaire d'Amoubelinga avec Vision Finance. Il aurait utilisé tout son réseau pour essayer encore de se blanchir. Mais trop, c'est trop. Avec autant de cadavres dans les placards, avec autant de crimes, autant de sang, que cet individu, aujourd'hui, quand on parle d'un homme aussi grand comme Charles Akébaïené, qui vous dit que Laurent Esso l'a appelé au téléphone, mais quelqu'un va vous écrire demain, il va vous dire que Laurent Esso n'a jamais appelé Charles Akébaïené. Bibi Mbota dit, Laurent Esso m'a appelé au téléphone. Quelqu'un se lève, Laurent Esso n'a jamais appelé au téléphone. C'est comme ça qu'ils ont fait pour camoufler les assassinats de Laurent Esso. Et c'est comme ça qu'ils cherchent maintenant à sortir Laurent Esso, cerveau de ce crime, qui a demandé de finir le travail. Laurent Esso doit être interpellé. Laurent Esso doit expliquer comment il a détourné autant d'argent. Laurent Esso doit expliquer pourquoi est-ce qu'il est l'ami du Zomblo des Zomblo. Vous allez aussi dire quoi? Ils sont amis comment? Un analphabète avec un magistrat hors hiérarchie. Un homme qui n'a jamais été. Mais attendez, quelle est leur relation? Expliquez-nous. La seule relation, c'est le crime. Le crime organisé. Et ce crime organisé, justement, aujourd'hui, vous allez encore le voir, qu'il est même cité par les organismes internationaux. Veuillez m'excuser. Une seconde. Cette question me permet stop. De temps. Vous allez m'excuser parce que là, on n'avait pas de télécommande, c'est revenu. Je peux la prendre. Merci. L'assassinat de Martinez Zogo vient d'un réseau qui, plein de mafiosos, a eu à se faire beaucoup de milliards à travers les lignes 65 et les lignes 94. La ligne 94. Tous les journalistes qui y ont mis le nez ont été assassinés. Je ne reviendrai pas sur le cas de Charles Akébaïené ou de Bibi Ngota. Je ne reviendrai pas sur d'autres journalistes portés disparus à cause de Laurent Esso ou encore Louis Paul Moutazi. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, Louis Paul Moutazi
était questionné justement par un sénateur. Un sénateur du SDF par rapport à la ligne 94 et surtout au milliard qu'il avait attribué gratuitement à Jean-Pierre Mbeninga. Il avait donné des explications un peu farfelues. Il avait d'abord expliqué, au départ, c'est logique, c'est ce qu'il dit. Mais par la suite, on se rend quand même compte que, à quoi sert donc finalement cette ligne, si c'est finalement pour donner à un bandit qui va ouvrir une chaîne de télévision, qu'il faut-il le rappeler, a été acheté à des milliards, a fait dépenser aux contribuables camerounais plus de 3 milliards pour être revendu à 15 millions de francs CFA. Et cet argent ne sera même pas reversé à un Camerounais. Lupo Motazé, qui est donc du clan de Jean-Pierre Amoubelinga, de Laurent Esso, avait donné des explications. Mais ces explications ne peuvent pas s'arrêter au Cameroun parce que l'affaire Martinez-Zogo est internationale. L'affaire Martinez-Zogo a entraîné d'autres morts. Rappelez-vous, juste après l'assassinat de Martinez-Zogo, le ministre des Mines, Gabriel Dodon-Dokay, le 20 janvier 2023, est mort. Mort par empoisonnement, mort comme Charles Atebayéné. Il était dans son bureau, avait d'ailleurs reçu l'ambassadeur de l'Italie. Et puis, dans la soirée, on sait qu'il avait rencontré certaines élites de la région de l'Est, puisqu'il était originaire de l'Est, avant de filer chez Kelcha Courtès. Ils avaient d'ailleurs bu du bon vin. Et puis, quand il entre, il s'écroule et il meurt. Il meurt à l'hôpital de la Caisse. L'autopsie pratiquée a révélé que le foie avait été bousillé, les intestins bousillés, exactement comme Charles Atebayéné. Lors de l'inhumation, Joseph Anderson, le ministre de la fonction publique originaire de l'Est, avait aussi évoqué le cas d'un assassinat, mais voulait mettre ça sur ceux de la région de l'Est. Or, Dodon-Dokay avait d'autres problèmes. Dodon-Dokay avait des problèmes avec Lupo Motazé et aussi Laurent Esso. Et pourquoi? Vous allez le comprendre. Jusque en avril 2023, après l'assassinat de Martinez-Zogo, une délégation de l'ITIE arrive au Cameroun. L'ITIE, c'est cette agence qui s'occupe de la transparence des industries extractives. Quand on parle des industries extractives, vous pouvez comprendre que ce soit le pétrole, même l'or, bref, tout. Ils arrivent du 17 au 20 avril. Ils vont séjourner dans le cabinet de Lupo Motazé. Et l'ITIE est un organisme international basé à Oslo. Il y a 54 pays. C'est-à-dire que pour que le Cameroun puisse
on peut sortir de ce qu'on peut appeler les pays aux caisses noires. Il a fallu que Paul Biya accepte les conditions du FMI d'entrer à l'ITIE. Ça, c'était déjà même depuis l'époque de Abba Abba Polycarpe. Tout allait bien, sauf avec l'arrivée de Luc-Paul Montazé. Luc-Paul Montazé au Cameroun est président de l'ITIE. Président de l'ITIE. Mais l'ITIE ne fonctionne pas que tu es le seul président. Il y a un comité. Ce comité, il y a des gens qui sont représentés. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice est représenté, donc Laurent Esso envoie son représentant. Le ministre des Finances, donc Luc-Paul Montazé lui-même, il est déjà là, sans pour autant oublier la présidence de la République qui était représentée par l'office de Ndongue Somba. Il est devenu DG entre-temps. Il ne va plus dans les réunions. Le premier ministère est aussi représenté. Voilà du côté de l'État. Maintenant, les entités comme les Côte-Co et consorts sont aussi représentées. La confession musulmane envoie son représentant, catholique envoie aussi son représentant et protestant envoie son représentant, y compris même les journalistes. Mais cette réunion a été provoquée suite à l'assassinat de Martinez Zoum. Quand cet organisme arrive, ils vont donc dire justement que Monsieur le ministre Luc-Paul Montazé, que pensez-vous de l'assassinat de Martinez Zoum? Il sera incapable de répondre. Les représentants vont encore lui dire, et aussi aux représentants du ministère de la Justice, qu'ils attendent une communication gouvernementale parce que l'assassinat de Martinez Zogo vient du fait qu'il enquêtait sur les lignes 65 et 94. Et l'ITIE Cameroun est financé par les lignes 94 et 65. Or, Dodon Doké s'était opposé à ces financements et avait rencontré aussi Martinez Zogo pour dénoncer. Dodon Doké, comme j'ai dit, il y a, j'ai oublié un représentant, ministre des Mines, ministre de la Justice, ministre des Finances. Voilà les trois ministères. Et Dodon Doké s'oppose au financement de l'ITIE par Luc-Paul Montazé et il ne comprend pas. Sauf que l'ITIE, sauf que Montazé est soutenu par Laurent Esso. Il devient donc minoritaire. Pourquoi est-ce qu'il devient minoritaire et pourquoi est-ce qu'il demande que les lignes 94 et 65 ne financent plus l'ITIE? Parce qu'en 2021, le Cameroun est sanctionné. Suspendu par l'ITIE, que le Cameroun n'a pas produit de rapport. Qui doit produire le rapport? C'est Luc-Paul Montazé. Et Luc-Paul Montazé travaille à l'ITIE avec sa fiancée, qu'on appelle Madame Ondivi Agnès. Elle est retraitée, mais elle est secrétaire exécutive nationale. C'est elle qui également est chargée de la privatisation de certaines sociétés d'État où Luc-Paul Montazé et lui utilisent des prête-noms. Dodon Doké, lorsque le Cameroun est suspendu, Paul Biya, par le touchement de Ngongo, envoie une demande d'explication que Dodon Doké doit s'expliquer pourquoi le Cameroun est suspendu. Dodon Doké va donc se permettre de dire: je suis bloqué par Luc-Paul Montazé et aussi le ministère de la Justice qui me fait des pressions, qu'ils ont des dossiers. Et moi, je ne sais plus quoi faire, j'ai des mains liées. Donc, ce n'est pas moi qui suis président. C'est plutôt Luc-Paul Montazé. On n'adresse pas la demande à Luc-Paul Montazé. Je ne peux pas faire le rapport. Puisqu'il
voulait donc mettre de la pression par rapport à la ligne 94 et 65. Il va donc appeler Martinez Zogo. Et va dire à Martinez Zogo de communiquer justement aussi sur la ligne 94, la ligne 65. Où l'argent transite dans un organisme qui est supposé être transparent et malheureusement qui est devenu un organisme de mafia. Mais comme c'est un organisme international, on ne peut pas vite prêter attention. Paul Biya va tout simplement entendre que non, on a envoyé ça pour l'ITE et tout, et tout, et tout. On ne va pas beaucoup enquêter. Néanmoins, le secrétariat général, puisque partout où est Motazé, eh bien, sachez que Ngongo va aussi arriver. Il va envoyer le consupé. Le consupé va commencer l'audit. Et le consupé va découvrir justement que la ligne 94 et 65 alimente l'ITE. Pendant ce temps, on demande aussi un autre rapport. À qui? À ce ministre, Gabriel Toutondoké. Ce rapport, signé de lui, avec toutes les pièces qu'il pouvait avoir, devait faire tomber qui? Lupol Motazé et cet homme, Laurent Esso. À quelques jours de la remise du rapport, il a été tué. Juste après Martinez Zogo. L'ITE a donc demandé au Cameroun de mener les enquêtes et surtout de faire une communication. Le Cameroun n'a pas fait de communication. Et l'ITE s'apprête maintenant à suspendre définitivement le Cameroun. Parce que l'ITE estime que Motazé et le ministre de la Justice ont utilisé la ligne 94 et 65 pour des financements occultes, pour des détournements, et qu'il y a eu l'assassinat d'un journaliste et d'un ministre. Voilà donc lui, Paul Motazé, et son ami qui se retrouve encore toujours dans des assassinats. Voilà donc la confirmation de ce qu'on disait. Quand vous cherchez les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, il insultait Amougou Belinga. Amougou Belinga a bénéficié. Et vous voyez d'ailleurs que dans les affaires de les déclarations de Danoué, il vous dit que Amougou Belinga a dit qu'il allait appeler par rapport à ses problèmes Motazé. Amou Belinga, tout le monde sait que même dans les audios, il a toujours dit que le seul homme qui l'aide, qui l'écoute, c'est bien sûr le chat. C'est-à-dire ce dangereux homme, ce voyou qui squatte à la tête de la justice. La ligne 94, tous ceux qui ont voulu parler, même au Parlement, explication de texte d'abord. Lupol Motazé nous explique la ligne 94 parce que il faut peut-être aller dans une autre université pour mieux comprendre ça. Le professeur Motazé va donc nous expliquer comment il a fait pour donner autant d'argent à Amougou Belinga et à quoi sert la ligne 94 dont lui seul, avec Amougou Belinga et bien sûr Laurent Esso, sont en train de manger et tuer tous les Camerounais. Un coup à toutes les fausses informations qui circulent. Honorable Mitchell, vous serez surpris lorsque les résultats des audits dont a parlé l'honorable Cabral, lorsque ces résultats vont sortir. À ce sujet, je voudrais d'ailleurs dire à l'honorable Cabral, qui a dit oui, mais pourquoi vous faites les audits? Contrairement aux honorables députés, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'audit est quelque chose de normal. Que ce soit dans une entreprise ou à l'État, l'audit c'est quelque chose de normal. Et c'est dans notre pays qu'on est souvent surpris quand on apprend le contrôle supérieur de l'État et dans telle institution, on se dit si le contrôle supérieur, d'abord c'est que les gens vont aller en prison. Mais c'est faux.
C'est quoi? Vous dites que c'est quelque chose de normal. Hein? On fait les audits qui ne vont jamais en prison. Vous entendez comment il dit? Le ce titre? Que vous dites, ça, c'est ce que nos professeurs nous disaient. On aura réussi lorsque c'est les structures auditées qui elles-mêmes vont appeler l'auditeur pour venir dire j'ai quelques problèmes ici, venez auditer, venez m'aider à améliorer le fonctionnement. C'est ça l'audit. L'audit n'est pas quelque chose pour amener les gens en prison. L'audit, c'est pour voir clair. C'est tout. On dit trop de choses. D'ailleurs, si je reviens à l'honorable Nietzsche, je suis au regret de constater qu'une bonne partie de ces questions a une connotation personnelle dirigée contre le ministre Montaigne. D'ailleurs, il n'a échappé à personne que les outils en question, qui concernent une certaine période, une bonne partie de cette période, le ministre Montaigne était ministre des Finances et de il était secrétaire général dans les services du projet. Mais l'honorable Michel Dio, c'est vous qui êtes responsable de la casse, c'est vous. Le ministre Montaigne n'était même pas là. D'ailleurs, sa question commence par le chapitre 94 en 2021. Bon, je suis devant vous et je vais répondre. D'abord, honorable Nietzsche, ce n'est pas la même 94. Ce n'est pas le chapitre 14. Écoutez vous la définition. Écoutez la définition. Chapitre par chapitre. Chapitre 1, président. Chapitre 2, service attaché à la présidence. Chapitre 20, monsieur, chapitre 22, etc., etc., etc. C'est-à-dire des ressources allouées à chacun de ces départements. Chacun des départements a des ressources, son chapitre. Il se fait seulement qu'il y ait des dépenses qui ne peuvent pas être affectées à un chapitre particulier. Ils peuvent être affectés pourquoi? Dernièrement, nous le savons, le pont, un pont s'était écroulé à Maroc. Qui a prévu qu'un pont allait s'écrouler? C'est vrai, c'est la responsabilité du ministère. Mais est-ce que le ministre des Travaux publics aurait pu prévoir qu'un pont allait s'écrouler dans son budget? Non. Il ne peut pas le prévoir. Et pour réparer cela, il faut qu'il y ait des chapitres pour ceux qui ne peuvent pas être affectés à des administrations particulières. Il y a deux chapitres comme ça. Un pour l'investissement, chapitre 14. Un pour le fonctionnement, chapitre 65. Voilà. Vous entendez? C'est pour ça qu'on appelle cela des chapitres communs. C'est-à-dire qui peuvent servir à tout, y compris ce qui n'a pas été prévu. C'est pour ça que j'ai dit que vous serez ici. Quand vous verrez ce qu'il y a des financements qui ont été faits à partir de ces chapitres, vous serez surpris. Vous avez une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vous qui votez des budgets ici chaque année. Mais j'aimerais que le ministre de la Défense vous dise un jour si ce que vous rigolez permet de faire face à toutes ces dépenses. Là, vous. Et ce sont ces chapitres communs. Qui finance cela? Il n'y a aucune. Alors ça existe dans tous les pays. Ah. Il n'y a aucune magie là-dedans. Bon, alors l'honorable Nietzsche a dit pourquoi il n'y a aucune publicité ni appel d'offres sur la ligne 14. Il y a des lois dans ce pays. Il n'y a pas de loi pour tel chapitre et pas de loi pour tel autre chapitre. Je voulais dire, en prenant l'exemple d'un pont qui s'écroule, le chapitre, ça permet juste de financer. Mais maintenant, comment on fait le travail? Ça n'a rien à voir avec le chapitre 94. S'il faut refaire le pont, on n'a pas dit, bon voilà, comme si ça a été financé par le chapitre 94, il n'y a pas appel d'offres, ou il y a appel d'offres, non, pas du tout.
Le chapitre 94, c'est seulement l'abonné, c'est moi qui finance. Vous entendez bien ce qu'il dit. Non, c'est financé par le BIP. On peut dire non, c'est financé par, je ne sais pas moi, un financement extérieur, etc. S'il faut faire un appel d'offres pour la construction, nous devons faire un appel d'offres. Que cela ait été financé par le chapitre 94 ou par l'endettement extérieur ou non. Donc on ne peut pas dire pourquoi il n'y a pas d'appel de mais ça ne veut rien dire. Absolument, absolument rien. Et chaque jour, on va prendre de l'argent à 200 milliards encore de dettes. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, où certains des députés à l'Assemblée nationale, et Dieu merci, on ne va pas dire que c'est seulement ce qui est à l'opposition, demandent au gouvernement. J'ai des problèmes de puits d'eau là-bas, j'ai des problèmes de ceci. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi que c'est financé par quoi? Pourquoi c'est financé par quoi? Quelle est la ligne budgétaire que vous avez votée? Non. Lorsqu'on estime que le projet est bon et qu'on veut faire quelque chose, on finance. C'est la responsabilité du gouvernement. Et cette responsabilité, nous l'assumons. Tu l'assumes. Au nom de Nietzsche, vous avez voté. Avec les soumissions distinctes de beaucoup de projets et tout. Mais comme l'a dit l'honorable Cabral, il est demandé au ministère concerné, encore qu'il y avait un mélange de choses, un mélange de choses. Honorable Nietzsche, si je me prends que nos projets de côté de bas. Il va nous parler de la ligne 94 vers ce moment. Dans les réseaux sociaux. C'est notre parole. Mais sachez que les réseaux sociaux nous disent que c'est une bonne idée. Tout ce que vous avez cité, est-ce que vous savez qu'il a pris la décision de racheter une délai européenne? Nous sommes plus sur la pompe, hein. C'est tout le temps que les autres, je vais dire, la monde, je vais prendre des choses ici. Mais sénateur, vous devriez applaudir. Parce que vous apprenez que même les Camerounais vont venir chez les gens. Et quand vous avez un citoyen de votre pays, qu'est-ce que la mission? Qu'est-ce que vous devez faire? L'engager ou le décourager? Moi, je vous vois la question. Peut-être que vous, sénateur, l'homosexualité. Regardez un journal triennal. Révélation satanique d'une procédure de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme. Voilà. Le ministre achète du sperme avec la ligne 94. Vu pour le Montaza Hachim. Le ministre achète, n'est-ce pas, avec leurs concubines et concubins, une télévision moribonde à l'étranger. Lui pour le Montaza dit que c'est la priorité de l'État d'aller acheter une télévision qu'on revend à 15 millions, mais on dépense 3 milliards, il dit qu'il assume. Maintenant, on lui dit à l'étire d'assumer, de dire que c'est lui. On préfère tuer les journalistes. On préfère les assassiner. Et même cette question qui a été posée à lui pour Montaigne au Parlement,
c'est le sénateur Kemende, Henry Gamsi. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Vous avez appris que ce sénateur qui a posé la question à Louis-Paul Montazé sur la ligne 94 et surtout le financement d'une fausse télé mafieuse à l'étranger, c'est-à-dire que Télé Sud, qu'il a été kidnappé en plein jour devant une station d'essence. On est parti avec lui. On l'a assassiné, on l'a criblé de balles. On a pris sa voiture. Rapidement, le gouvernement, avec leur complice, qu'on appelle Oshi, on dit que c'était les Amazoniens. Les Amazoniens ont dit non. Nous, on n'avait rien contre celui-là. Et de toutes les façons, les Amazoniens revendiquent leur crime. Mais dès que quelqu'un commence à mettre le doigt, creuse beaucoup sur la ligne 94, ne soyez pas surpris qu'on va vous dire que l'honorable Nietzsche, s'il poursuit à vouloir creuser, qu'on va aussi l'éliminer, c'est le clan Motazé, Amougou Belinga et surtout celui que je vous dis qu'il est le plus dangereux, Laurent Esso. C'est eux qui font ça. Et ils recrutent même dans le camp de leurs ennemis. Hein. Ils viennent, ils te flattent, ils disent, tu fais affaire avec nous. C'est un clan où personne ne doit résister. Dès que tu es contre eux, on t'élimine. Regardez le nombre d'assassinats qui ont été faits. Oui, vous allez me parler. Martinez Sobo aujourd'hui, ceci, Martin Sabo. Martin Sabo, oui, il était avec eux. Je vais vous prouver ça aussi, samedi. Parce qu'il était l'ami d'Amougou, les gars. Ils vous ont jamais dit ça. Ils vont vous dire que c'est plutôt l'ami de tel. Denoui était leur ami. Ils ont utilisé la DGRE depuis de longues années. Et c'est pour ça que je dis que l'assassinat de Martinez Zogo doit faire sortir les placards, les cadavres qui sont dans les placards de ces gens, qui sont des assassins, qui sont des tueurs en série et qui engagent des tueurs qui n'ont pas de cœur. Vision 4, Vision Finance, eux tous sont actionnaires dedans. Mais cet argent vient d'où? Ligne 94, ligne 65. Et de vous parler, oh, usine de manioc de quelqu'un. Ah oui, parce qu'il veut que vous voyez que c'est ailleurs. Mais les usines de manioc et Bolo et Consort et tout, où est parti tout cet argent-là? Et au-delà de ça, quand il parle que, oh, ce que l'État n'avait pas prévu, mais on vient de vous dire, le Conseil supérieur de l'État a convoqué 1700 personnes ayant émargé dans la ligne 94. Donc tout ça, c'était des imprévus. Donc nous sommes dans la République des imprévus. C'est-à-dire que la ligne 94, c'est pour les imprévus. On n'a pas prévu le pont. On n'a pas prévu l'arachide. On n'a pas prévu le riz. On n'a pas prévu ceci. On n'a pas prévu... Louis-Paul Montazé ne fait que sortir ça. Et dans tout ça, il va vous dire qu'on n'a pas prévu les strings. Parce que les strings d'Amougou Belinga, achetés par Amougou Belinga pour livrer la police, sont payés par la ligne 94. Donc on n'avait pas prévu les strings. Martinez Zogo va tous vous mettre nu à nu. Lui se moquait de Martinez Zogo et jurait fidélité
à son patron, prêt à faire toutes sortes d'actes criminels. Juste après l'assassinat de Martinez Zogo, il fut d'ailleurs nommé directeur des médias. Mais aujourd'hui, on veut faire croire qu'il est devenu paria du groupe L'Anecdote, lui qui pourtant porte encore le titre de directeur des médias de l'Empire à Mugbelinga. Bruno Bidjan est devenu le seul journaliste qui n'est pas seulement en prison pour ses délits d'opinion, mais beaucoup plus pour des assassinats. Assassinat de Brian Fombor, voilà Bruno Bidjan qui se retrouve en prison. Assassinat de Martinez Zogo, ou plutôt en cellule, de Martinez Zogo, toujours au mois de février, le mois d'anniversaire de leur champion Paul Biya, il va généralement fêter ça en prison, en cellule. Il a donc encore été pris cette fois-ci. Et il y a une confusion qui règne depuis, puisque cet homme qui, à la veille même de sa capture, était porté disparu, avait déconnecté tous ses téléphones et avait pris la poudre des scampettes, savait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer contre lui, et il savait bien que les taux se resserrent autour de lui, d'autant plus que les derniers moments de l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo sont en train de sonner. L'enquête sur l'affaire de Martinez Zogo sera bouclée sans nombre de doutes dans les prochaines semaines, voire prochains mois, mais le peuple camerounais aura la possibilité de comprendre qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Pour l'instant, on se pose des questions sur d'abord la libération sous condition de Bruno Bidjan et encore son arrestation. Beaucoup nous ont dit que Bruno Bidjan a été arrêté, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, juste parce qu'il voulait être du côté du peuple. Et du côté du peuple, il a donc fait une vidéo pour dénoncer les prix élevés de carburant. Et il était devenu donc celui-là qui se souciait des problèmes élémentaires de la basse société, de la basse classe. Bref, présenté ainsi, Bruno Bidjan était verni comme un homme ayant un cœur de générosité et se préoccupant des difficultés des autres qui n'ont pas aussi de gros salaires et qui triment pour pouvoir joindre les deux bouts. Sauf que, il est arrêté le 6. Il arrive au 7 donc. Bon, il est transporté au 7. Du 7, il a entendu le 7 février. Et puis, Bruno Bidjan est présenté au commissaire du gouvernement le lendemain, le 8. Chacun commence à nous dire, voilà, il est accusé d'incitation à la rébellion ou de la révolution, déstabilisation ou encore atteinte à la sûreté de l'État. Puis, il est ramené au CERN pour complément d'enquête. On nous fait croire donc que Bruno Bidjan, en ce moment-là, c'est parce qu'on n'avait pas eu à joindre la vidéo de Facebook. On n'avait que l'émission qu'il avait présentée avec, enfin, comme invité, Cabral Libi. Mais en ce temps, depuis qu'il est redescendu, on dit, il monte le 11 au tribunal militaire. On attend Bruno ne vient pas. Hey yeah! On dit qu'il monte.
introduce on attend Bidjan. Bidjan ne vient pas. Hey, yeah! On dit c'est le 13, le jour de l'anniversaire de Paul Biya. On dit même qui sera libéré. On attend. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Par la suite, on nous dit c'est fini parce qu'il a déjà signé une lettre d'excuse et aussi un engagement sur l'honneur qu'il ne fera plus de vidéos contre le régime en place et patatras et qu'il va enfin retrouver Ivana et Somba Belinga Fombor Bidjan à gauche, Bidjan à droite à la maison. On sort des chandelles, on met le champagne au frais, on attend, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan ne vient pas. Et même l'enfant qui devait naître, l'enfant commence déjà à parler que, ouais, tu, que papa, es-tu papa, es-tu papa, es-tu papa, es-tu papa. L'enfant parle déjà dans le ventre des varins. L'enfant bouge déjà jusqu'à donner des coups de patte qui veut voir ses multiples pères parce que lui, il ne peut pas venir comme ça là et il entend que ses multiples pères sont tous en prison. Mais qu'est-ce qui arrive donc à Bruno Bidjan? Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui a été transporté au tribunal militaire et par la suite d'ailleurs, Belinga Serlan a eu à tout diluer. Ce n'est même plus atteinte à la sûreté de l'État. C'est déjà fausse nouvelle. Ce n'est même plus tant d'incitation à la rébellion, à la sédition, à la révolution. C'est déjà tout simplement rébellion. Et on dit bon, ce n'est pas grave. On doit donc le libérer. Mais curieusement, Bruno Bidjan, qui était encore attendu, mercredi, Bruno Bidjan, qu'on avait déjà préparé, on avait déjà fait le poulet braisé et qu'on sort, n'est toujours pas là. Mercredi, on a fait le poisson braisé avec, bien sûr, le sanga. Bruno Bidjan n'est pas là. Le jeudi, on a fait le porc épic. Bruno Bidjan n'est pas là. Vous comprenez donc ce que je vous disais. L'affaire Bruno Bidjan, loin de ce qu'on vous raconte, il y a des dessous et surtout, il y a des accusations graves. Bruno Bidjan avait d'ailleurs été libéré juste parce que les hommes-là des hommes-là avaient magouillé avec non seulement Belinga Serlan, mais aussi avec Sikati Gombo. Il lui était bien évidemment interdit de se livrer à certaines activités, sachant qu'il doit se mettre à la disposition de la justice. Mais arrivé à l'extérieur, Bruno Bidjan, profitant du fait que Zomlo des Zomlo est en prison, il est devenu le super grand patron et se voyait déjà même récupérer la télévision. Derrière le communiqué des hommes-là, c'est aussi ce qu'on peut parler de trahison et même du pons-pilatisme. Dans le communiqué qui a été rédigé, eh bien, c'est Bonnet Philippe, actuel directeur de la télévision, qui l'a rédigé. Les hommes-là des hommes-là prétendent que s'il a fait ce communiqué, s'il a laissé faire ce communiqué par téléphone, c'est parce qu'il voulait protéger Bidjan à gauche, Bidjan à droite, se protéger lui-même avant le procès, pour que cela ne s'aggrave pas, et aussi pour protéger les autres, la télévision, pour qu'elle ne soit pas fermée. C'est donc un jeu. D'où le retrait de Maître Tchungan pour défendre Bruno Bidjan à gauche, Bruno Bidjan à droite. L'assassinat de Martinez Zo a un lien étroit avec Bruno Bidjan. Et Bruno Bidjan est celui-là qui
est le ventre de Zomlor. Il connaissait toutes les opérations. Il connaissait ce qui se passait exactement. Et d'ailleurs, dans les dossiers noirs, je vous donnerai encore beaucoup plus d'autres éléments. Mais cependant, le Zomlor des Zomlor savait pertinemment que Bruno Bidjan n'allait que l'écouter avec une certaine fidélité, puisqu'il partait souvent prendre, bien sûr, des recommandations auprès des hommes-là, des hommes-là. Or, avant son arrestation, il n'était plus allé en prison. Et au niveau de la télévision, il y avait déjà des camps qui s'étaient formés. Et celui qui devenait déjà subitement plus fidèle aux hommes-là, des hommes-là, était donc Bonifilé. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, par contre, a formé son clan, le clan des durs, le clan avec lequel il se disait que, puisque en trahissant, peut-être et en disant beaucoup d'autres choses au tribunal militaire, eh bien lui, il aura la liberté définitive et le Zomlor des Zomlor va rester en prison. Quand on voit donc ce qui se passe aujourd'hui, Bruno Bidjan subit justement ce que le Zomlor sait faire le plus. Vous utilisez comme ses chaussettes et dès qu'elles sont trouées, il vous jette. Bidjan à gauche, Bidjan à droite reçoit uniquement la visite d'Ivana. Et le pire, c'est que dès que Bidjan a été arrêté, il a détruit tout son réseau. Pourquoi? Avant son arrestation, il faut savoir que lorsque Martinez a assassiné, Bruno Bidjan passe devant Bonifilé. Or, je vous rappelle que en août 2021, celui qui est le directeur de la télévision, c'est bien Bonifilé. Bonifilé a acquis de l'expérience sur le terrain. C'est quelqu'un que j'ai formé. C'est quelqu'un qui a assez de talent et surtout qui est pondéré. Donc, lorsqu'il arrive, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, lui, il est fait pour les sales coups des hommes-là. Les sales coups beaucoup plus du lit. Mais sur le plan professionnel, celui qui connaît le travail, c'est Bonifilé. Et Bidjan à gauche, Bidjan à droite va commencer à monter des petits coups parce que c'est lui qui devient justement l'adjoint de Bonifilé. Il était rédacteur en chef, il devient donc son adjoint. Mais cependant, il fait comme Amou, son patron. C'est-à-dire que dans l'entreprise d'Amou, il devient tellement important qu'il se fait un clap. Et lorsque Bonifilé arrive, il commence à voir que c'est très dangereux. Mais quand, malheureusement, il y a l'assassinat de Martinez Zogo, Bonifilé, qui était là, est enlevé. Son poste devient vacant. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, en plein janvier, juste avant l'arrestation, est propulsé directeur des médias. Quand on dit directeur des médias, c'est-à-dire qu'il coiffe Satellite FM, qui est la chaîne de radio, l'anecdote, et aussi la télévision. Bonifilé, lui, il est envoyé à la direction commerciale, ce qu'il ne savait pas faire. Mais au mois de mai, lorsque le Zomlor des Zomlor commence à comprendre que Bidjan à gauche, Bidjan à droite est en train d'empiéter et même de devenir le vrai boss, il fait des réunions, il exige ci, il exige ça, il va enlever Bonifilé sur la demande de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bonifilé ne va pas bien prendre ça. Parce que lui, en tant que directeur de télévision, il se dit quand même qu'ayant de l'expérience devant le petit
Bruno Bédian qu'on lui doit du respect. Mais Bruno Bédian, non seulement occupé déjà le poste de directeur des médias, des trois médias, mais aussi utilisait son pouvoir parce que le poste était vacant pour être le directeur de la télévision. Et quand Bruno, et quand maintenant Boni Philippe revient, c'est la guerre. La guerre déclenche. Boni Philippe veut s'imposer. Il veut punir un des gars de la télévision ou le suspendre. Bruno Bédian enlève la sanction. Il dit, mais pour punir, c'est moi le boss. Il faut se référer à moi. Sans ça, allez, il te rétablit. Et parmi ces lieutenants, il y a des gens comme Raoul Bia qui sont avec lui, qui sont convaincus qu'ils vont prendre le pouvoir. Bref, dans ce clan-là, Boni Philippe va donc tisser aussi son réseau. Et lorsque Bruno Bédian tombe, c'est lui qui appelle donc les hommes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, et tout, qu'est-ce qu'on décide donc? Le clan Bruno Bédian est balayé. Ça fait que celui qui lui était fidèle, Norbert Ebodé, qui était rédacteur en chef, on l'écarte. Deuxième des choses, Inès Belinga, qui était aussi là et qui sortait avec Zomlo. Et d'ailleurs, actuellement, elle a un bébé, je vous avais dit ça, et félicitations à elle. Soit dit et soit précisé qu'elle avait été nommée en même temps que Bruno Bédian. Elle a été propulsée et tout ça, au rang de directrice de l'information, ou alors directrice adjointe de l'information. Elle est balayée. Une autre qu'on appelle Owono, Crescence. Elle était dans l'animation, toujours dans le clan de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Allez, balayée. Maintenant donc, on revient avec des gens comme Toulou Christine. Toulou Christine qui pourtant, on a fait semblant qu'elle allait au niveau de congé technique, comme ils utilisent l'emploi. Elle revient. On la donne. Non seulement c'est elle qui s'occupe maintenant de ce qu'on appelle la communication porte-parole des hommes-là, mais surtout, elle devient directrice adjointe de la télé. Ça veut dire quoi? Boni Philippe, directeur de la télé. Christine Toulou, directrice adjointe, et c'est elle qui présente aussi le journal de 20h. Voilà donc comment est-ce que le clan Boni Philippe rentre, se met en haut, et Raoul Bia, Jean-Michel Cancan, lui, il comprend que les carottes sont cuites. Parce que c'était une vraie guerre de clans là-bas. Donc le clan Boni Philippe vient de remporter parce que les hommes-là, des hommes-là, sait pertinemment que Bruno Bédian finira en prison lorsque les débats sur l'assassinat de Martinez vont s'ouvrir. Même comme lui-même cherche à se sauver. Mais ce sera difficile parce que même s'il est libéré, puisqu'il calcule de partir à l'extérieur du pays cette fois-ci, mais il n'aura pas de possibilité parce que son passeport sera retiré. Boni Philippe, donc, actuellement, il s'est assis. Mais dans la gauche, dans la droite, qui crânait là, il pleure donc. Et il regrette et il dit que Amougoula a trahi. Amougoula a utilisé. C'est la même chose pour Raoul Christophe Mbia. Raoul Christophe Mbia, voilà les gens que le somme-là utilisait pour insulter les gens. Avec Bruno Bédian. Voilà les gars qui se sont mis à dos tous leurs collègues et confrères. La preuve, c'est que vous voyez que, bien évidemment, les journalistes ne les soutiennent pas. Raoul Bia arrive, donc le vendredi, à Vision 4. D'abord, il salue les gens ne le regardent pas, et il est déjà fâché parce qu'on a nommé d'autres grands reporters. Or, il était le seul grand reporter. Et dans l'affaire, dans les nominations,
Il se dit, mais c'est pas possible. Lui, il n'est pas nommé. Puisque même Martial Owona, qui avait été chassé, il est nommé. Il comprend donc que nous sommes là, ne veut plus de lui. La dernière fois, avant de partir, parce qu'il partait rendre visite aussi aux hommes lois. Il avait demandé aux hommes lois que lui aussi, il voulait la nomination. Zomlo ne l'a pas nommé. Il est donc arrivé. Pourquoi est-ce que Zomlo ne le nomme pas? Parce que Zomlo sait qu'il est un agent de Bruno Bidja, qui est devenu aujourd'hui son vrai concurrent. Il arrive donc à Vision 4. Personne ne s'occupe de lui. Avec ses mots agressifs et tout et tout. Le même jour qu'il est rentré de la Côte d'Ivoire, il est arrivé là-bas. Deux heures de temps après, il a retiré son numéro de tous les forats. Puis, il a fait son communiqué, il est retourné à Bamangola. Sauf que, mauvais calcul, il était conscient que ce que lui, ce qu'on lui avait dit, qu'on allait directement le recruter en Côte d'Ivoire, on lui demande maintenant dans son CV. Le CV, le seul endroit où il a travaillé, c'est Vision 4. Et il était à l'ISAM. Il n'a pas fini sa formation là-bas. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, les télévisions sérieuses que, oui, qui disaient qu'il est le meilleur reporter, grand reporter du Cameroun, regarde tout simplement, les reportages, c'est scandaleux. Ils disent que ce n'est pas le journalisme. Il est donc là-bas, à Obamangola. Il n'a même pas 5 francs pour manger les beignets. Son ami a demandé la bouillie à sa femme. La bouillie avec avec les haricots, le haricot, avec les beignets à Ivana. Ivana n'est pas parti lui donner cela. Ceci devrait montrer à certains journalistes qui font des missions sales que lorsque vous salissez votre parcours, vous n'aurez pas d'avenir. On ne va pas vous prendre ailleurs. Raoul Kisobia est à Vision 4 depuis 4 ans. Depuis 10 ans. Ce n'est que la chaîne là qu'il connaît. Nulle part ailleurs. Mais les autres sont même partis. Ils sont revenus. Ils ont été nommés. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui qu'ils soient beaucoup plus en fureur. Puisque en 2021, on l'a utilisé lorsqu'on avait suspendu Bidjan à gauche, Bidjan à droite. On avait suspendu Bidjan à gauche, Bidjan à droite en disant que oh, il a parlé ceci. Parce que nos hommes-là avaient poussé Bidjan à gauche, Bidjan à droite à aller faire quoi? Un reportage. Ou plutôt, un réquisitoire terrible contre la présidence de la République, donc Ngongo, sur le stade Paul Biya. Et il avait accusé le ministre, et parce que lui, il a mélangé. Le sommet lui avait dit, tu tires à boulet rouge sur Ngongo. Lui, il est arrivé là-bas, il a tiré sur les membres du gouvernement en disant que, oh, voilà le stade. Ils ne veulent même pas que les journalistes entrent. Oh, on trompe Biya. Biya n'est plus licite, on le trompe et tout et tout. Lorsque l'affaire est arrivée là-bas, ce n'était plus l'affaire de Ngongo, c'était bien l'affaire de Biya lui-même. Amourou, Zomlo, pour se dédouaner, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, blâme. À Bruno, contre Bruno Bidja. Il l'avait retiré de l'antenne. Il avait, c'est à cette époque-là qu'il prend donc Bonnet Philippe et dit, c'est toi maintenant qui vas présenter Décryptage. Il va prendre l'autre émission Tour d'Horizon. Il va donner à, je crois, à qui là? Marcel Owona. Puis il prend l'autre idole. Et l'autre émission était donc animée par Raoul Biya. Et un autre là, qui d'ailleurs a été nommé chef de chaîne. Raoul Biya est donc furieux que, mais c'est quelle histoire ça? Moi, on m'a envoyé dans des faux villages pour aller faire le reportage des chaussures. On m'a demandé d'insulter le Valsero. Je ne peux même plus aller quelque part. Hein? On m'a dit que ceci et cela. Voilà, Amourbelinga m'a exploité. Amourbelinga m'a insulté. Amourbelinga fait que je ne peux même plus me balader même dans un marché. Le voilà qui est donc en train de pleurer. Et le Zomlo est fâché hein, parce que il attendait au moins que le gars aille s'agenouiller là-bas en prison. Or,
montée par Bidjamagauche, Bidjamadouane, qui avait déjà vu comment est-ce qu'on a récupéré Télé-Sud. Bruno Bidjamagauche, Bidjamadouane, lui cherchait déjà d'autres sponsors pour lui-même s'acheter maintenant les investissements de Somlor. Parce qu'il s'est dit que le Somlor est tombé et qu'il n'y a plus de l'argent. Donc, il a des ambitions, il a de longues ambitions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils sont liés par le sang. Le Somlor peut sacrifier Raoul Biya. Même comme nous savons que le Somlor, généralement avec ces gens-là, il dit toujours, tu pars, tu disparais et puis tu reviens. La preuve, c'est que, est-ce que vous savez que depuis le 1er février, là, Albert Mbida, à qui il avait retiré la voiture là, qu'il avait limogé là, qu'il avait dénigré, qu'il avait humilié publiquement. Albert Mbida est revenu, hein, il a été nommé à Issam là, depuis le 1er février 2024 là. Donc c'est souvent comme ça, avec les hommes-là, des hommes-là. Mais pour l'instant là, puisque le procès va commencer, et que il y a beaucoup de choses dans le dossier, et il y a encore un autre dossier qui est à Douala, un dossier où ils sont toujours ensemble. Hein. Bidjama gauche, Bidjama droite. Il est avec les hommes-là, là-bas, dans un dossier d'assassinat, que leur protecteur, à savoir Laurent Esso, avait dû d'ailleurs enlever le commissaire du gouvernement pour l'envoyer à Ebolova, juste pour qu'il n'ouvre pas ce dossier. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? Le procureur de la République, plutôt, pour qu'il n'ouvre pas ce dossier. Mais plus tard, avec tout ce qui va arriver, c'est là où vous verrez un autre visage de votre ange, Bruno Bidjan, et de tout ce qu'il a eu à faire. Et quel est son rôle dans l'assassinat de Martinez? Et surtout, dans tous les crimes commis par le Zomlo des Zomlo. Zomlo des Zomlo n'a pas commis un crime. Il a commis plusieurs crimes. Zomlo des Zomlo, ce n'est pas seulement l'assassinat de Martinez, mais c'est plusieurs assassinats. Zomlo des Zomlo, comme je vous disais, il est avec les Bidjongo. Ou même encore avec les Savom. On vous dit que Savom est proche de Ngongo. Attendez, vendredi, je vais vous montrer d'autres éléments. Vous allez poser les mains sur la tête. Quand vous saurez même que le Savon qu'on vous présente là, c'est même aussi un autre pion du Somlo. De Laurent Esso et de Motazé. L'assassinat de Martinez Zogo, ce n'est pas un assassinat qui est arrivé comme ça là. Non, c'est un réseau qu'il fallait protéger. Mais ce réseau va tomber entièrement. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et d'ailleurs, si on peut déplorer aujourd'hui, si aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent donc se poser, mais attendez, pour une information, comme on a dit, complément d'information, chez Bruno Bidjan, pour une vidéo, dites-moi, ça prend 2 semaines pour regarder une vidéo au tribunal, ou bien on sait, vraiment, prenons seulement qu'il avait parlé dans une vidéo, de vous à moi. Une vidéo se regarde depuis deux semaines au 7. Et une seule vidéo, hein, ou bien prenons deux, parce qu'il y a l'émission en studio et il y a l'autre vidéo. Même la tortue, même si elle faisait l'enquête là, comment elle aurait déjà terminé. C'est qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et même s'il se met là devant, sachez que c'est un prisonnier ambulant, comme bon nombre de gens qui ont accepté de signer le pacte de Satan avec Jean-Pierre Amoubelinga. Bien sûr, quand on parle de ces réseaux-là, c'était le réseau, comme je pouvais dire, Amoubelinga, les Bobda, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Le réseau où on tient tout le monde vient que par des histoires de coucherie, pas des histoires d'escroquerie, pas des histoires de chantage et tout ça, avec des vidéos et comme ça. Bobda et Belinga, mais ils auraient été de bons partenaires. Ah oui, parce qu'ils font presque la même chose. Ils ont un peu d'argent, et puis ils recrutent des femmes, des hommes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tout ça. Et voilà d'ailleurs l'enquête de Bobda qui même est bloquée. Tout n'a fait que se dégrader. On a arrêté Bobda.
depuis le 30 janvier. Nous sommes quand aujourd'hui? On est parti avec le au tribunal militaire. On a dit c'est grave. Oh yo, vous allez voir et tout et tout et tout. Et il y avait quoi chez Zumanto ou bien mille combien de quoi là? Il disait qu'il a combien de témoignages? Plus de 1000 témoignages. On est allé avec ça au tribunal militaire. Le tribunal militaire dit que l'affaire dit, comme je vous avais déjà annoncé, qu'ils allaient s'en sortir et qu'ils allaient se débarrasser à partir de l'arme catégorie 6. C'est-à-dire, et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vous dis toujours ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé parce que je vous ai dit que c'est un pistolet à grenade. Il est vrai que dans le droit ou encore dans la loi camerounaise, on ne dit pas que le tribunal militaire n'est compétent que lorsqu'il s'agit des armes de première catégorie, de deuxième catégorie, de troisième catégorie. Non. C'est arme à feu égale arme à feu. Mais bon, le tribunal militaire a quand même réussi à se débarrasser de la patate chaude pour la refiler au tribunal de grande instance. On donne au tribunal de grande instance, au tribunal de grande instance, regarde là-bas, dit que bon, en tout cas, on ne sait même pas, et tout, et tout, et le viol, et tout ça, les partous, gna. Ce ne sont pas les crimes au Cameroun, hein. Ce sont juste des délits. Donc, on repart au tribunal de première instance. Tribunal de première instance. On remonte avec le gars, chez le procureur. Le procureur repart encore avec le gars, chez qui? Encore à direction de la police judiciaire du littoral. Nous sommes donc en train de jouer à la balançoire. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et mardi, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que justement, non seulement, il y a 3 tests qui avaient été faits. J'étais le premier à vous parler de ces tests. Que le premier était négatif, ça avait été fait, non, le premier à voilà, c'était le deuxième qui était fait à la Quintini. Et on avait des doutes sur ça. On parle de 3 tests qui ont été faits. Dans quelles conditions? Pour regarder si les porteurs du VIH. Mais bon, on s'attendait sur ça. En se disant que, ouais, attendez, le gars, il n'est pas porteur du VIH. Donc, vraiment, c'est une affaire qui... Et tout, et tout, et tout. Lors des confrontations, certaines clientes ont pris la poudre d'escampette. Et là, le procureur de la République a fait maintenant qu'ils aillent comparaître par force, c'est-à-dire que par voie du CIE, parce que les confrontations sont quand même éprouvantes, surtout pour des victimes et vivant dans la même ville. Si jamais ils sortent, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même que comment est-ce qu'on a pu le garder autant en cellule, dans la mesure où, même au tribunal militaire, qui est un tribunal d'exception, oui, la garde à vue ne devrait pas excéder 16 jours. Mais, lorsqu'on regarde les délais plus que depuis le 30, une en cellule, dont la garde à vue a déjà excédé, le procureur n'avait qu'un seul choix, soit le relaxer, soit, alors le déférer. Que de le garder là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, son avocat, Tamfou, maître Tamfou, profite pour entrer et pour dire justement dans cette petite sortie-là, pour dire que, attendez, mon client a déjà mis beaucoup plus de temps par rapport à la loi, par rapport aux règles sur la garde à vue. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été déféré? Déjà, au tribunal militaire, selon le code de procédure, c'est simple. Si vous ne trouvez pas assez d'indices, parce que c'est les indices qui deviennent les charges, vous avez des possibilités, soit relax pur et simple, et vous classez le dossier. Mais si on a transféré, si on a envoyé au tribunal de grande instance, cela veut dire que ce sont les indices. Et ce sont les indices-là qui deviennent généralement des charges par le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui transmet donc le dossier au juge d'instruction pour une instruction judiciaire, une information judiciaire. Mais au niveau de Bobda, on ne comprend rien. On joue le ping-pong. La balle part là-bas. On parle avec
lui là-bas. On ne sait même pas là où il dort. On ne sait même pas ce qui se passe. Même la partie de la défense n'a aucun élément. On va chez le pauvre. Non, allez là-bas. Après, on dit, non, allez voir le greffier. Le greffier, c'est comment? Je ne peux pas parler. Et tout ça. Donc, les victimes, ou plutôt même les avocats dans l'affaire, ne connaissent rien, n'ont aucune information sur ce qui est en train de se faire. On juste donc. Cela veut tout simplement dire que, comme dans la plupart des affaires qui font scandale au Cameroun, eh bien, on laisse passer le temps. Après, lorsqu'on se déconnecte, lorsque chacun se remet encore dans ses propres obligations parce qu'il faut s'occuper du pain quotidien et qu'une autre actualité arrive, parce qu'il y aura certainement encore quelque chose qui va faire le buzz, eh bien, on prend l'affaire Bobda, on classe dans les tiroirs, on passe à la prochaine affaire qui fait le buzz et on va aussi prendre, on met dans les tiroirs, ainsi de suite. Oui, beaucoup de gens peuvent certainement dire qu'ils peuvent être victimes de complot. Mais certaines victimes affirment quand même qu'elles ont été agressées au milieu de la rue. Il revient à l'État de produire et surtout au procureur de faire des réquisitions pour que ces vidéos soient disponibles. Il était question qu'on fasse un test selon les avocats de la défense au niveau du centre Pasteur. Mais le centre Pasteur n'est pas en Sibérie, c'est à Yaoundé. Comment on peut expliquer que là, à la quétinée, là, en quelques secondes, on avait obtenu le résultat. Mais depuis là, on dit que le test doit se faire au centre Pasteur. J'ai dit, hein, il manque le carburant pour transporter Bogda jusqu'au centre Pasteur. Ou bien les bus sont finis. Ou bien la route est coupée. Pourquoi vous hésitez tant? Pourquoi vous ne vous pressez pas? Et comme j'ai dit, ce ne sont pas les résultats du VIH qui sont importants dans cette affaire. On parle de viol en réunion. On parle de menaces sous condition. On a écouté les audios. On ne peut pas dire qu'il n'a jamais nié que c'est sa voix. Mais ces menaces, ce sont des délits. Bon, si vous trouvez que ce ne sont pas des... C'est des délits. Nous avons une simple petite affaire qui vient de nous prouver quelque chose. Des pays qui respectent la loi. Nous sommes en Espagne. Alors, mais aujourd'hui même, les gens ont appris que Daniel Alves, star du Barça, star du Paris Saint-Germain, ancien ou star de l'équipe du Brésil, a été arrêté et jeté en prison. Arrêté et jeté en prison sur la dénonciation d'une certaine femme en boîte de nuit où il avait eu des rapports avec elle, des rapports non consentis. Malgré son argent, on n'a pas tenu. Malgré son argent, on a vu qu'il a quand même écopé de 4 ans et demi de prison. 4 ans et demi de prison. Mais là, on vous parle de quelqu'un qui est reconnu de tous comme violent. On vous parle de quelqu'un dont on n'a même pas besoin de 1500 témoignages, puisqu'on sait que même ses ex-femmes peuvent témoigner. Sont partis. On vous parle de quelqu'un dont on a vu à l'œuvre dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. Mais on dit, comme il y a eu 1000 dénonciations, il faut aussi 1000 plaintes. Pour Daniel Alves, il y avait une seule plainte. Il n'y a pas eu, comme on dit, vraiment, il y avait des milliers de plaintes. Normalement, on est déçu parce que les plaintes-là devaient être minimum même 200, 400, 500, 600, 700. Sachant qu'au Cameroun,
les victimes au monde, et sachant qu'au Cameroun, les victimes ne sont pas protégées, et sachant qu'au Cameroun, la victime finit par faire même la prison parce qu'on va te dire que faux témoignage. Et que demain ou après-demain, on peut même abattre la victime. Elles sont au courant. Mais les éléments qu'on a pu avoir, qui sont concrets, est-ce que cet homme avait une arme, fut-elle factice? Qu'est-ce qu'il faisait avec cette arme? C'était des menaces sous condition. Même si vous allez dire que non, l'arme-là ne tuait pas, non, ne pouvait pas tuer l'éléphant. Mais quand vous avez déjà une arme, même un couteau, on ne vous condamne pas. Un bourreau comme ça, un gaillard, il avait cette arme-là pour quoi faire? Ça lui servait à quoi? Il travaille où pour être inquiété? Lui qui pourtant a fait des arts martiaux. N'importe quel enquêteur va arriver à une conclusion, c'est que cet homme est dangereux. On ne peut pas continuer à protéger des hommes dans la société qui font peur. On ne peut pas continuer à avoir les hommes Gubelinga, le Bogda. On ne peut pas continuer à avoir une société où les gens vous disent que moi je n'ai peur de rien, moi je n'ai peur de rien. On ne peut pas avoir une telle société où la justice met les plaignants sous pression. De telle sorte qu'aujourd'hui, on demande à une plaignante que tu es obligé. J'ai déjà vu ici, parfois tu ne vois même pas les plaignantes. On voit des plaignantes que peut-être au tribunal et ça lui clôt. Pas que toutes les confrontations doivent se passer là devant le machin et tout. Et le gars te regarde comme ça avec les yeux. Il te regarde, toi aussi tu es là, tu trembles, tu dis, hé, maman, c'est ma femme, et tout. Il te regarde. Et il a des membres, il a des complices qui sont tapis dans l'ombre et qui peuvent être des membres du gouvernement, qui peuvent être des puissants. Parce que dans des réseaux de proxénétisme, il y a de la solidarité. Et surtout, il y a beaucoup de moyens financiers qui sont mis en jeu. Et si le réseau est détruit, eh bien, on détruit la personne qui voulait détruire ce réseau. Bogda Ambelinga, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, ce sont des gens qui ne méritent pas la liberté parce qu'ils sont sans pitié, parce qu'ils sont là pour effrayer, intimider les autres. On ne peut pas vivre dans un pays où des gens sont là pour intimider des gens. Et on trouve cela normal, que non, il doit avoir une arme pour intimider les femmes. Comment une femme saura que ça c'est une arme factice? Et même seulement les gros bras qu'il a là. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous samedi pour les dossiers noirs du samedi soir. Et toutes mes excuses pour ceux qui ont eu des difficultés tantôt sur YouTube et aussi le retard par rapport à cet avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. Allez, au revoir.